it's bittersweet playing against Moon because me and him like mutual respect for each other. I'm a lot more excited to play against Team Liquid than any other team just because of our past. Dardock motivated me a lot because we both came from the same spot. Both basically have a really good organization around us, and in the beginning of the split, he was playing really well and I wasn't. Wow, 2 kills for Team Liquid. Make that 3-2 javelins for Dardock. I knew how good Moon was just from personal experience. Moon had a really rough split. He wasn't filling in the blanks that people had set out for him as a player. He was performing better than me, so I definitely wanted to like play more solo queue so I could be better than him and play better than him. Elise has signed! And Moon is a superhero! I'm definitely excited to play him in a best of 5. It sucks playing against your friend early on in the tournament, but we'd have to meet them sometime. It'll be a good matchup. Et bonsoir, de retour donc pour les LCS. Les EU viennent de se terminer. Voilà, si vous n'avez pas suivi ça avec nous, eh bien, les Unicorns of Love ont dû céder leur place en demi-finale à des Origins très inspirés sur un score fleuve de 3-0. Et désormais, c'est au Team Liquid et au NRG de s'affronter. Ellie, c'est un match qui devait arriver finalement, parce que c'est les deux équipes qui ont peut-être donné la même impression tout au long de la saison. Ouais, effectivement, deux équipes très très intéressantes avec des patterns de jeu vraiment différents. On pourra noter notamment la présence de Gang by Mom dans la lineup NRG, donc leur midlaner, meilleur midlaner en termes de dégâts actuellement en LCS NI, qui culmine à 35% des dégâts de son équipe. Alors que du côté des Team Liquid, écoute, on a aussi de très très gros noms, donc je vais pas faire la lineup en entier, où on verra sur les infographies tout à l'heure, notamment Piglet, notamment Phoenix et notamment le bon Dardoche en ce moment qui fait parler pas mal de lui dans la jungle. Ouais, Dardoche, le successeur de Awit Dominate qui a vraiment fait la différence pour son équipe. Et puis bien évidemment Piglet qui a été élu meilleur ADC, hein, donc l'alter ego de Steelback, hein, Steelback qui a fait un très bon BO tout à l'heure. Oui. Piglet, est-ce qu'il va suivre la destinée de Steelback, c'est-à-dire d'être un peu 1v9 et de ne pas réussir eh bien, à passer à la vitesse supérieure avec, je dirais, plutôt en termes de teamplay puisque Steelback a été excellent. Voilà, ça va être la question. Moi, personnellement, je trouve que les Liquid sont plutôt dans une phase ascendante en termes de teamplay, en termes de jeu, en termes de pression. C'est une des équipes qui actuellement joue le mieux dans la zone nord-américaine, là où les NRG sont plutôt en panne. Alors en fait, si vous n'êtes pas familier de la Team Liquid, il faut savoir que c'est une équipe donc, qui est formée forcément de pas mal de foreigners, notamment Piglet, notamment Phoenix, qui viennent de Corée tous les deux. Il faut savoir qu'au début, c'était une équipe qui montrait des résultats intéressants l'année dernière, mais en fait, c'était vraiment 5 très bons joueurs qui jouaient comme en solo queue, chacun de leur côté. Et petit à petit, avec l'expérience, avec le travail du coaching, on a vu une synergie se créer entre les joueurs, et ce qui a pu aboutir notamment au superbe quadra kill de Phoenix sur son Azir dont on se souvient l'année dernière, ou de très beaux moves de Piglet. Piglet d'ailleurs, qui est passé d'un état de star coréenne à un état un peu de déchu en SSNA, puisqu'il avait vraiment tilt sur les débuts de saison, on s'en souvient. L'an dernier, il est arrivé à maturité vraiment. Donc en plus, c'est une méta qui peut lui correspondre. Les KRD ont fort à faire puisqu'on est dans une méta tank, il y a beaucoup de choses qui reposent sur ses épaules, et Piglet, c'est un joueur qui excelle dans ce genre de situation. Ouais, Piglet qui va avoir un rôle clé hein, de toute façon dans son équipe. En face de lui, il aura donc Altec chez NRG, Altec qui était un petit peu la pépite de chez Gravity la saison dernière. Altec qui n'est plus aussi bon, il a eu une grosse phase de vide où il a failli arrêter, hein. Il a même demandé un remplacement sur une semaine, je pense qu'il était peut-être en désaccord avec sa structure, on n'a pas d'informations là-dessus, mais en tout cas Altec qui a fait un pas en arrière et qui n'est plus aussi bon que la saison précédente. Je crois qu'en termes de stats, c'est loin d'être un des meilleurs meilleurs ADC. En fait, il a donc maintenant il a 25% des dégâts de son équipe avec en moyenne enfin 25% des golds de son équipe, donc ce qui est correct. Il faut savoir que c'est des stats qui sont gonflés parce qu'il a fait un très bon début de split. Effectivement, il est passé sur la phase descendante. Là où Piglet, écoutez, pour les mêmes ressources allouées que du coup pour Altec, il arrive à 30% des dégâts de sa team. Donc Piglet a vraiment un rôle en fait de fer de lance. Il est mis devant. Là où Altec était avant également un joueur phare et maintenant se met un petit peu en retrait, notamment
notamment tout simplement à cause du bon Gang by Mom qui fait vraiment le café sur la mêlée actuellement. Même, donc on en parlait, 35% des dégâts de son équipe, un pool de champions qui passe du Zilean au Victor, au Azir, au Z, au Varus. Bref, c'est un joueur qui Karma. A tout joué, de la Karma également. Exactement, ouais, il joue un peu tout Gang by Mom. Ancien joueur des Jhinnair Green Wings, oui. Bon, bah forcément, quand tu viens des Jhinnair, t'es forcément un joueur. À minima, très bon mécaniquement, il n'est pas que bon mécaniquement, il est aussi polyvalent, il apporte beaucoup à l'équipe NRG. Et puis à la top lane, on retrouvera un duel, donc l'Urlo contre Impact. L'Urlo contre Impact, c'est un affrontement qui est extrêmement intéressant, puisque l'Urlo, c'est un joueur de tank, alors que l'Impact, c'est plutôt un playmaker. Oui. Après, Impact, c'est tout joué, j'ai envie de dire, c'est quand même peut-être un des plus polyvalents de la scène nord-américaine, ancien champion du monde de la saison 3 avec les SKT. Moins bon cette saison quand même. Si je devais vraiment faire les différences qu'il y a entre les deux joueurs, il faut savoir que l'Urlo, il a tout ce qu'on attend de lui d'un top laner dans la méta actuelle. Il est très fort sur les tanks, il a une vision de jeu qui est correcte, il a une tenue de lane qui est bonne, il peut avoir cette science du TP et du flanking qu'on peut demander à n'importe quel top laner, pour ça il n'y a pas de problème. Impact, c'est la même chose, mais avec le petit supplément qui fait plaisir, c'est-à-dire un joueur qui est capable de passer sur des carrés s'il le faut, un joueur qui est capable de prendre les rênes de son équipe s'il le faut également, via son expérience d'énorme joueur tout simplement. Donc en fait, c'est un petit peu le vieux de la vieille qui va s'affronter contre une nouvelle génération qui fonctionne bien. Donc je mettrai un petit plus pour Impact, mais je pense que l'Urlo, en match-up tank contre tank, il faut pas le mettre derrière contre Impact. Après, l'Urlo, il a pas d'expérience. En fait, chez les. Quand on en parle du loup. Voilà, l'Urlo, il est en termes de stats, il est quand même très intéressant. Le CS Difference est toujours un petit peu plus bas. C'est des joueurs assez mobiles, l'Urlo et Impact. Il n'hésite pas à TP. Voilà, joueur de tank avec en agressif pick, Queen du côté de l'Urlo, alors que du côté d'Impact, on a ce Gangplank et Selfiora qui sont. Alors, Gangplank, on voit encore un petit peu, on l'a vu lors du BO précédent, alors que Fiora. En 6.6, c'est un petit peu disparu, Eli. C'est vraiment compliqué, Fiora, actuellement, parce qu'on joue plus trop sur le speed push avec l'apparition du Zoroth et des bannières de commandement. En tout cas, ça se joue beaucoup moins. Et si ça se joue, ça se joue généralement 1-3-1. Donc, t'es pas obligé d'avoir forcément un hard speed pusher comme on pouvait l'avoir avant. Et surtout, ça se joue beaucoup sur le team fight. Et actuellement, qu'est-ce qu'il y a de plus fort en team fight sur top lane? Ce sont les tanks, une fois de plus. Donc, voilà. Toutes ces données mises en ligne de compte, Impact a un avantage que l'Urlo pourrait arriver à compenser s'il arrive à tenir à se tenir tout simplement, puisque c'est un nouveau joueur, on est dans un format de BO5, il y a beaucoup de pression, tu joues sur scène, tu es contre l'une des légendes de League of Legends, même si bien sûr il y a des joueurs plus importants qu'Impact. Donc ça va pas être facile pour l'Urlo. Exactement, et on va voir justement ce que les NRG vont pouvoir faire contre ces Liquid. Moi j'attends beaucoup aussi, alors on parle peut-être un petit peu aussi des junglers. Oui. Donc du côté de la jungle, on aura Moon du côté des NRG. Et de l'autre côté, on aura Dardoche. Dardoche, MVP, non, rookie. Rookie de la saison pour Dardoche. Il a été excellent tout au long de la saison. Une hélice très forte, beaucoup de contrôle à portée, beaucoup d'aide. Un très bon joueur en soutien, mais aussi en carry. Alors en face, Moon, que je trouve. Alors tout le monde le trouve très fort. Moi je trouve qu'il est. Ça dépend. Un peu inconsistant. Il est un petit peu irrégulier quand même. Alors ça dépend effectivement. Moon, il est capable de faire de très bonnes choses comme des choses plus moyennes. Si on parle de stats, à proprement parler, Dardoche en fait est devant, ça joue pas forcément à grand chose. Peut-être l'écart le plus important entre les deux joueurs, ça va être au niveau des pourcentages de dégâts apportés par l'équipe. Là où Dardoche culmine à 18%, Moon est à 14%, donc c'est un petit peu en dessous. En fait, je mettrais que Moon est un peu plus utilitaire, il ward un petit peu plus que Dardoche. C'est ouais, très mais léger. Il est beaucoup moins fort en fight. Mais voilà, après c'est positionnement team fight, c'est les mécaniques, etc. Donc pareil, je mettrais un avantage pour Dardoche. Mais dans la même veine que sur la comparaison Impact et Moon, Impact et l'Urlo, Moon fait partie des jeunes rookies qui est capable de se transcender sur un BO5 comme ça et d'arriver à tenir le rang contre un joueur qui est censé être plus fort sur le papier. Ouais, bah on va voir. Écoute, je suis pas convaincu de la capacité de Moon à faire la différence, mais c'est justement à lui de faire mentir. Je trouve que ça va être le MVP de ce BO. On a vu beaucoup de nouveautés lors des 3 BO précédents. C'est le dernier quart de finale de cette semaine qui va nous emmener peut-être au bout de la nuit, puisque c'est deux équipes de niveau équivalent, donc dans une méta NA tank. Je pense que ça dure longtemps, Eddy. Et puis, il faut noter également que sur le rôle de la jungle est bien particulier dans cette saison, parce qu'il y a plein de choses qui sont ouvertes. Autant en top lane, il n'y a pas 36 000 possibilités, ça va être du tank ou du tank.
Au niveau de la mid-lane, c'est beaucoup de match control. On a quelques assassins, mais c'est assez rare. En carry AD, c'est très fermé aussi. En support, c'est très fermé, c'est des tanks. Là, en jungle, tu peux partir sur des tanks, tu peux partir sur des carry, tu peux partir éventuellement même sur des semi-speed pushers comme Rek'Sai qui peuvent permettre un 3-1 ou ce genre de choses. Et là, pour un joueur neuf comme Moon, qui du coup a une vision neuve sur le jeu, il peut se permettre peut-être de couper un petit peu au standard qu'on peut avoir en jungle actuellement et créer la surprise. Et c'est là-dessus que moi je l'attends personnellement. Ouais, moi je suis pas convaincu de la capacité de Moon à créer la surprise. C'est un joueur qui joue classique. Le problème c'est que, enfin, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Crumbs, c'est-à-dire que si tu prends une Elise et que tu touches tes cocons, ouais, t'es un bon jungler. Si tu touches pas, voilà. Et je trouve qu'il a beaucoup de choses où il a raté. Après, bon, on va pas faire du Moon bashing. Je pense que le joueur, voilà, il a son baptême du feu. Ça se trouve, il va faire un très bon quart de finale et c'est lui qui va être MVP. Donc il faut pas vraiment vendre la peau de l'ours parce qu'il y a beaucoup d'analystes qui trouvent que c'est un joueur qui est exceptionnel. Écoute, voilà, il a 20% des dégâts de son équipe. Et 20% des goals de son équipe pour 14% des dégâts. C'est-à-dire que pour 1%, il ne met pas 1% de dégâts. C'est assez bas généralement pour un jungler. C'est assez bas. Au niveau de son pool de champions, puisque ça peut être intéressant pour analyser les dégâts, c'est beaucoup d'Elise, un peu de Rek'Sai, un peu de Kindred, de l'Anida par-ci par-là, du Graves, de la Evelynn et du Gragas. Donc ça reste quand même des junglers qui sont damage dealers. Ouais. On n'est pas sur le jungle full utilitaire. Et voilà, on voit le match-up au niveau de la jungle. Donc, bon, Dardoche qui part clairement avec un avantage, hein, 5.7 de KDA par rapport à 2.9, il n'y a pas photo. Après, voilà, si les analystes outre-Atlantique encensent Moon, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va garder un œil sur le. Ouais, ouais, il faut pas jeter la peau de l'ours, comme j'ai dit. Je pense que ce serait une erreur de dire que Moon va échouer dans ce BO5. C'est loin, BO5. Il y a de quoi vraiment s'illustrer. On pensera par exemple à Clay qui a été exceptionnel chez Fnatic lors du BO contre les Vitality. Donc voilà, rien ne sert de courir. Il faut être bon en playoff. C'est un peu la règle des LCS depuis maintenant 2 ans et demi. Ouais. 3 ans et demi. Attends. Saison 3, saison 4, saison 5 ou 3 ans et demi. Ouais. Donc voilà, rien ne sert de courir, mon bon Eddy. Et donc on va passer sur le match-up mid lane. Alors le match-up mid lane, ça veut dire c'est essentiellement. Eh bien, du coréen, puisqu'on a oui. Gant by Mom contre Phoenix. Phoenix qui a la chance de voir son Azir revenir en état de grâce dans la méta. C'est le meilleur Azir NA, période. Alors, là, on a vraiment deux oppositions de style. On a d'un côté donc Phoenix, qui a un style de jeu un peu à la manière de Power of Evil, par exemple, c'est-à-dire très contrôle de lane. C'est un très bon laner. Il farme très bien, il met la pression, il apporte beaucoup de map control, mais c'est un joueur qui va avoir les pieds plantés dans le béton au niveau de sa lane, généralement. Ouais. Là où Gant by Mom, par contre, et un peu moins bon en lane, il farme un petit peu moins, mais par contre décale beaucoup plus, et en fait snowball dessus. Et c'est pour ça que Gang by Mom atteint des scores de dégâts qui sont complètement hallucinants. 35% des dégâts, c'est au-dessus de Bjergsen, hein, pour vous rendre compte. C'est parce qu'il arrive à créer la différence, il est hyper actif, notamment sur les assassins. Donc, à voir ce que ça va proposer. Sur le late game, un joueur comme Phoenix est plus intéressant. Sur une compo early mid game, un joueur comme Gang by Mom est plus fort. Ouais, on va voir. Je pense que ça se vaut. Ça va jouer au plays. Mm-hmm. Honnêtement, la méta mid lane qui est assez ouverte. On a vu du Malza chez les KT Rollster. On arrive à voir un peu tout et n'importe quoi. Beaucoup de Azir quand même. Donc je dis, c'est un pick qui pourrait être disputé. Parce que Gant by Mom, je pense qu'il n'aura pas de soucis. Gant by Mom qui aime bien jouer en poke. Il joue tout, Gant by Mom. Ouais, il joue vraiment tout. Le pool de champions, je ne vais pas vous faire l'intégralité parce qu'il est vraiment énorme. Mais on a du Zilean, on a du Victor, on a du Azir, on a du Varus, on a du Zed, on a du Twisted Fate, on a 12. Même du GP. 12 champions, 18 matchs. Il peut tout jouer. C'est vraiment un joueur couteau suisse. Et c'est un excellent couteau suisse. Ouais. On sert à Mink aiguisé à souhait. Il est capable de bully en lane s'il le faut. Il est capable de décaler. Et ça, en rotation avec un Moon qui pourrait être chaud. Sur le duo, la rotation mid-jungle, ça peut être très très intéressant de voir ce qu'ils vont proposer. Ouais, la relation jungle-mid qui pourrait être très forte du côté d'NRG, n'ont pas réussi forcément à faire la différence. Après, j'ai vu le tweet de Hermit qui a dit « ça fait 2 semaines de travail pour un BO, donc il va falloir assurer dès le début ». On va voir justement ce que ça va donner. Place au duo lane, Ellie, avant bien que les stars de ce match partent dans la phase de draft, forcément on aura Altec et Piglet. Piglet, ouais. En carry AD, au niveau des botlane, enfin au niveau des supports, Smoothie pour Team Liquid et le bon Concon. Concon qui est pas mauvais. Bon Concon pour énergie. Alors attends, il me semble que c'est un autre support, Matt. Matt il joue plus. Alors oui, non, j'ai dit Smoothie pour Team Liquid, ça va être Matt. Ouais, Smoothie, je me disais, Smoothie l'a ouais. remplacé qu'une seule ouais. fois. Matt est excellent sur Bard. Ouais. Ils sont Bard. Le Bard. Qui m'a conquis personnellement. Après, on va voir. Bon, est-ce qu'il y a grand chose à dire là-dessus? C'est des supports. Honnêtement, c'est pas que le rôle de support est pas intéressant, c'est juste que bah, c'est un peu toujours la même chose actuellement. Tu prends des tanks,
tu ward, tu avances, tu essaies de décaler un maximum. Et c'est difficile d'arriver à se rendre compte, au niveau des, au vu des statistiques, de la capacité de roam des supports, puisqu'il ouais, y a beaucoup de swap lane en fait. C'est pas le stat, honnêtement, j'aurais tendance à dire que Matt a vraiment un impact fort en teamfight. Il est très très bon dans la lecture du jeu et des contrôles. Ouais. Alors que Concon parfois fait quelques erreurs. Par contre, Concon sur la lane, il est très 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 fort. Il met beaucoup beaucoup de présence avec Altec. Ils essaient de gagner vraiment la lane à chaque fois, même après un reswap. Donc ça va être intéressant. J'attends aussi tactiquement des préparations sur des peut-être des cheese, des fromages de la part, ouais, des quelques fromages de la part des équipes. C'est vrai que dans un BO5, t'as une game que tu gagnes sur un cheese où t'arrives, tu fais 3 kills et tu prends la tour, tu reswap pas et derrière c'est terminé. C'est vraiment une chose qu'il faut tenter pour essayer de mettre la pression psychologique, parce que derrière ton adversaire il va jouer complètement différemment et ça peut faire la diff. Non, clairement, et comme tu le disais, Altec et Gangquan, ça aime jouer la bot lane, enfin ça aime jouer le 2v2. Au niveau du mid c'est pareil, Gang by Mom c'est un joueur qui est capable d'aller prendre des solo kills. Au niveau du top, Impact fait partie de ce genre de joueur, s'il le faut qui peut aller prendre son duel, donc à voir ce qui va être proposé. Donc je pense que les picks à contest, ça va être notamment les picks qui vont apporter beaucoup de map control en early game, donc au niveau de la jungle notamment. Je pense bien sûr à Nidalee qui risque d'être un enjeu majeur pour en fait cette bataille du map control au niveau de la mid lane, puisque j'adore quand tu fais ça. Quand tu me regardes, tu m'écoutes et tu tapes en même temps. Ouais, je peux tout faire. Cet homme a une capacité de concentration qui est folle. Bref, ce qui va être important en fait, c'est d'avoir de la vision sur Gang by Mom pour l'empêcher de décale. Le contrôle de la mid lane va être très important. En effet, pour multiples raisons. Donc il y a le roaming de Gang by Mom. Il y a aussi le fait de vouloir mettre Phoenix derrière parce qu'il va être omniprésent en fight. Donc je pense que les junglers vont avoir à shutdown. Après, on a vu dans la méta que la mid lane, c'est très dur à shutdown. En fait, ouais, actuellement, c'est ça qui est difficile. C'est qu'il n'y a pas vraiment une lane que tu peux crush. Tu peux, par contre, tu peux crush le jungler adverse en ce moment. C'est ce qu'on voit beaucoup. C'est faire un gold diff au niveau des junglers pour essayer ensuite de le repousser pour qu'il ne puisse pas avoir d'impact et essayer de gagner la lane quasiment en 1v1. Parce que avec le swap lane, finalement, tout le monde joue de manière très très safe jusqu'à 20 minutes de jeu. Et dès qu'il y a la moindre erreur, tout le monde flash out et on attend et on farm de telle sorte à ce qu'on arrive à 20 minutes et qu'on ait ces deux items. Vraiment, les équipes ne veulent pas prendre le pari de prendre des agressions très très tôt. Donc je pense qu'en effet, il va y avoir un contrôle. Après, ce sera toujours très difficile de mettre un mid laner derrière. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu une game où le mid laner est derrière en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, pour moi, vraiment, le but du jeu pour Team Liquid, plutôt que de mettre derrière Gang by Mom, ça va être de poser une camisole de force autour du joueur pour le forcer en fait à devoir jouer sa lane en 1v1 avec Phoenix et qui, bien sûr, reste le compartiment de jeu de prédilection du mid laner des Team Liquid. Donc à voir, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ça dépend de l'état de forme des joueurs, tu vois, ça dépend de l'état de forme de Altec. Si Altec est en forme, on peut essayer de jouer le 2v2 et appuyer dessus. Si au contraire, il est un petit peu en retrait, essayer de jouer plutôt sur Gang by Mom. Donc, beaucoup de choses qui sont possibles. Une fois de plus, comme à chaque analyse post-match, pré-match, pardon. Ah, on a une interview. Ok, petite interview. Thank you very much, Dash. I am joined by Team Liquid's co-owner, Steve Arensett. Always a pleasure, Steve. Thank you for joining me. You know, there's been words around the scene in the past 2 weeks, extended scrim blocks, trying to fit everything in that teams can. And what has Team Liquid's regimen been like these past few weeks? We've been doing the same kind of scrim schedule that we've been doing in previous weeks. The guys are at an all-time high. Morale is good. Confidence is good. Scrim results are going well. I think we're just kind of in, we're settling in, and we're going to beat NRG today. Yeah. And coming into this split, fans are happy about it. Coming into this split, three new players coming up. It's been a very long road, but looking how everything went, how the team has synergized with the core members of Piglet and Phoenix now, what has that growth been like? What has the journey been like watching the team grow? You know, it's been awesome. The rookies on our team, if you compare them to other rookies on other teams, it's clear they're outperforming the other roles. I mean, if you compare Dardoch to Moon, right? Dardoch won the MVP rookie award for the split. So these guys are just core to the team, you know, with the veteran players we have on top. And that being a first for these guys in the LCS, looking at a playoff situation, it can even shake the confidence of the most veteran of players. Have you or the coaching staff done anything to kind of ensure or instill the confidence going into a best of series in those new rookie players? You know, the confidence is instilled through experience and the scrim results and how much the players are learning on a day-to-day basis. So these guys are making improvements and strides that is developing their confidence going into this series. Well, they've all three definitely made names for themselves. You've done a fantastic job this season, and best of luck in the series, Steve. We're now going to throw back to the analyst desk to break down some more and get into the game. Thank you very much, Riv. Du coup, de retour après ce léger sujet. Confiance absolue.
Ouais, il est chaud. Il est chaud, il a dit on va gagner. Bon. Allez les bleus, on est tous ensemble, la France c'est le bout. Tout ça, il avait déjà mis le deuxième étoile sur son maillot. C'est ça, ouais. France 2002, quoi. Voilà, il a vendu la poule. Voilà. Donc Zab a armé son canon, enfin son fusil à pompe à sel. Il vient de tirer une petite salve. Et ce n'est que l'entrée. C'est ça qui est l'entrée, puisque c'est un BO5, bien sûr. Comme tu l'as dit tout à l'heure, un BO5 NA. Qui dit game NA dit game de la flamboyance et du coup game longue également. Donc sur un BO5. J'espère que vous êtes armés, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien installés, parce que ça peut durer longtemps et ça va être surtout éprouvant. Allez chercher votre meilleur fauteuil. Allez chercher votre meilleur fauteuil. C'est le moment de se mettre à l'aise pour ce match, honnêtement. Après, on a l'impression, mais je pense que ça va être un très beau BO. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de surprises. On charrie, parce que c'est vrai que les NA, c'est un peu notre punching ball après avoir casté le U, LCK, LPL, etc. On aime bien se défouler dessus. Et on en dit du mal en rigolant, mais pas forcément toujours à raison. C'est une ligue qui était, l'année dernière, était très moyenne par rapport au reste du monde. Cette année, le niveau remonte. Moi, je pense que c'est mieux que l'an dernier, mais que ça reste genre super mauvais. Je pense que ça même après le playoff européen qu'on a vu juste avant, tu penses que les NA, c'est vraiment. C'est, parce que c'est pire tout pire Ouais, c'est pourri, les NA. Très bien. Bon, bah, vous pouvez rentrer chez vous, alors passer. Enfin, vous êtes déjà chez vous. Non, mais faut regarder. Non, mais c'est super amusant. Il y a du suspense, il y a des retournements de situation, il y a des fights. En fait, c'est ça. Il y a des pics originaux, il y a du storytelling à mort, il y a du show, il y a tout ce qu'il faut, des stars. Ça manque juste d'intelligence de jeu au NA. Ouais, c'est ça en fait. C'est et mécanique, surtout tout. Mécanique. Il y a tout au niveau du spectacle. Tu prends la Chine, t'enlèves les bons joueurs, et t'as les NA. Il y a de l'idée. Effectivement, donc on va voir. Après, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré, c'est quand tu vas commenter un BO DNA, tu sais pas ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose, ça peut être bien, ça peut être complètement moisi, mais il va se passer quelque chose et tu es toujours dans l'attente. Donc là, pour l'instant, on est littéralement dans l'attente que ce BO commence, ouais. Pendant qu'on voit les petits saltes qui popent sur le chat. Il y a des gens qui disent, non mais j'adore mon métier, j'adore caster les NA, c'est un bonheur, c'est un plaisir, cependant il faut savoir être objectif. Moi, ce que je veux, c'est vous donner la quintessence de ce qui se passe sur l'écran et on a un petit sujet. Playing with a world-class player, there's just a lot of expectations put on you. It can be pretty stressful because it's very unlikely that it's Piglet's fault for why we might mess up in lane or we might mess up in anything. And it's just all on me. And especially as like a rookie player, it's a pretty hard thing to get over. 신인 대 신인으로 하면은 좀 넷이 좀 더 편하겠지만 저는 그래도 3년 동안 하고 있고 그리고 좀 결승전들도 많이 올라가고 경험도 많아서 그래서 제가 최대한 라인들에서 리드하려고 노력하고 있어요. Usually I'd be the person to like lead the laning phase. At first it was like kind of hard for me because I didn't have that sort of play style. But over time I learned how. I also learned just how to play with Piglet who would always just know what to do. 매치업도 정말로 잘 알고 이 챔프는 어느 타이밍 때 약하고 이 챔프는 어느 타이밍 때 세고. With Piglet. Even though the climb's very steep, it's a very, very long climb I can get. So if I can like end up being on Piglet's level, I'll just be a world-class player. It's definitely hard, but it's what I need. Recently, 좀 많이 호흡이 잘 맞는 것 같고 그래도 제일 잘하는 것 같아요 저희 둘이. They're the best in NA for sure. I don't think they've ever lost lane to anyone. Even in the Immortals games where we're like getting smashed all across the map, they're still winning lane. Sometimes they just straight up win us the game based off laning, like against TSM. Summoner heal, Yellowstar flashes. One more hit, he'll do it, and that's first blood! And they're gonna get the dive too! 저를 제일 많이 리스펙트해주는 것 같아요. 지금까지 해왔던 서포터들 중에 그래서 제가 좀 편한 느낌은 많아요. 근데 맷은 자기가 플레이할 때 잘 모르겠지만 저는 그래도 맷 때문에 좀 플레이를 좀 쉽게 하고 있어서 네, 그거는 맷한테 많이 고마워하고
admiratif. Il n'était pas. Non. Mais il est pas spécialement connu, quoi. Enfin, il est admiratif devant Piglet. Il dit voilà, moi j'aimerais être à son niveau. Je pense que je suis moins bon. J'écoute ses calls. J'essaie de me nourrir de ce qu'il fait. Et forcément, en fait, quand tu as une approche positive vis-à-vis des gens avec qui tu joues et que tu essaies de t'inspirer d'eux, et qu'en plus tu t'inspires d'un joueur comme Piglet, tu progresses énormément. Et c'est vrai que Matt, il fait beaucoup. Et en même temps, Piglet, on a vu, c'est un joueur qui mentalement a du mal quand il est mis sous pression, quand il est challengé par son équipe, quand il est vas-y jette. Hop. Merci. Petite bouteille d'eau qui arrive. Hop. Donc voilà, qui est challenge par son management, son coach, son équipe. Là, il a du mal. C'est quelqu'un qui aime être mis en valeur, qui aime être, il aime recevoir l'énergie positive et avoir en fait un espèce de rookie, un petit frère à côté. Ça lui permet de tester des trucs sans jamais être jugé. Donc il devient très fort Piglet dans ces moments-là. Effectivement. Et du coup, alors, j'aimerais bien voir la veine de Piglet ce soir. On parlait rapidement tout à l'heure avant de Metatank. C'est Uzi, du côté de la Chine, qui l'a sorti dernièrement, avec brio d'ailleurs. Ce pic est dur à sortir, mais pourrait pop par-ci par-là, puisque c'est le meilleur carrière en termes de défonçage de tank en mono-cible. Je pense qu'on peut le dire avec éventuellement Kog'Maw, l'ancienne version. Et surtout parce que c'est le main de Piglet. Exactement. Et on rentre justement dans la phase de draft. Et il dit toutes ces questions sans réponse vont. Et désormais en avoir, qu'est-ce que va jouer Piglet? Est-ce que l'Ourlo va jouer sa Poppy? Bon, ça c'est déjà une réponse non. Clairement non. Non, c'est vrai que la Poppy de l'Ourlo, c'est une grande histoire d'amour. Et pendant qu'on voit Locodoco à l'écran, Locodoco, ancien coach des TSM, qui s'est recyclé chez Team Liquid à la base en tant que vidéomaker et contenu. Enfin, et il a perdu ses lunettes. Et il a perdu ses lunettes et il a perdu ses cheveux aussi au passage. Ouais. Il a perdu beaucoup de choses, mais il a gagné une place de coach chez Team Liquid. Pour l'instant, ça lui réussit pas trop mal. Donc on va voir ce qu'on proposait ces petits poulains, donc Ban Sivir, Ban Kidred, Ban Gangplank, First Pick, Gragas. Flex Pick. Ouh, la réponse directe. Alors, côté NRG, alors. Oh, le Draven. J'aimerais beaucoup. Draven First Pick, allez, tiens, prends cette première game, c'est gratuit. Bon après Draven, enfin. Moi, je vois pas trop de trucs qui art Counter Draven. Azir. Ouais. Ok, non, mais je parlais en lane en fait. Mais D'accord. Après. Oui, en lane ça. Ça Counter Kalista, ça Counter Sivir, ça Counter Draven, ça Counter Vayne. Ah, t'as pas dit un truc qui Counter que Draven. Tu tapes large, clairement. Azir, tout ce qui a moins de 550 de range, ça contre. Mais c'est vrai que des bons Draven, à part Freeze, on n'en voit pas. Et le personnage est vraiment intéressant. Alors, du coup. NRG, voilà, le Maokai d'Impact, ça va être son troisième cette saison. Alors écoute, autant le Maokai d'Impact, on en parlait tout à l'heure en off, on l'encensait sur ses flankings, etc. Par contre, en termes de stats, il n'a jamais gagné. Non. 0.8 de KDA. Non, ils sont fait étrier avec Maokai les NRG. Mais bon, c'est un pick qu'il aime bien et on a pris le Lucian. Je rêve d'un monde où il y a de la diversité sur les ADC. Parce que Lucian c'est bon tout le temps. C'est le problème, c'est que c'est linéaire. C'est le compromis entre Corki et d'autres persos. Tu vois, c'est avant dans les saisons présentes, tu prenais un Corki, tu prenais un Graves. T'avais un early mid fort, puis après tu te faisais tuer. Lucian c'est fort tout le temps. C'est complètement linéaire. La force du perso c'est que c'est à la fois un caster et un auto-attaqueur en même temps. Du coup il bénéficie à la fois des items de CDR et en même temps des items de critique, ce qui fait qu'effectivement le personnage est très compliqué à équilibrer pour Riot. Et vraiment passe-partout actuellement. Alors, côté Team Liquid, on part, regarde-moi cette draft, full disengage, full pile, Echo, Janna, plus Gragas. On pourrait voir un hyper carré pour Piglet là. Après, Echo c'est très fort contre les tanks théoriquement. En lane c'est costaud avec le passif de la zone de convergence qui fait des dégâts en fonction des PV sur les auto-attaques. C'est très mobile, ça apporte beaucoup de contrôle. Ce qui se fait actuellement c'est l'écho très tanky, ça marche bien. Et la veine de Piglet, on vous en a parlé. Oh là là, ça me ferait tellement plaisir. Oh là, alors si c'est Locke. Ouais mais Janna Blitzcrank. Leviosaur. Ah Leviosaur, avec le Blitzcrank jungle, ou top, Blitzcrank top. Blitzcrank top. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a Janna, plaisir un peu gâché, mais si jamais ouais ça va être loqué. Il vient de briser mon petit cœur Piglet là. Ouais clairement, mais je crois qu'il t'aime pas Piglet. Je me sens souillé. Je lui ai demandé, il m'a dit je l'aime pas. Non, j'aime pas non plus. Et il a bien dit je n'aime pas. Oui, je n'aime pas, comme le chat. Oh oh oh. Hey. Alors le Malzar, bon ça a pas vraiment de sens Malzar là par contre. Si tu wipes tout.
tu mets un ulti, tu lock n'importe qui, tu le tues. T'empêches le Echo d'utiliser sa zone, et enfin son ulti. C'est vraiment très fort. Malza, c'est très très fort. Hein. C'est. Alors, bon, c'est un débat que. Qu'on pourra reporter, puisque en fait on est chacun deux défenseurs de la théorie opposée sur Malzahar. Ouais. Mais pour moi, Malzahar contre trois personnages qui peuvent aller le chercher, c'est mauvais. Bah après, c'est un parti pris. En fait, moi je pense que Malzahar c'est fort dans le sens où ça force des contrôles que t'as pas envie de mettre à ce moment-là du fight. C'est vrai. Et qu'il a pas besoin de son ulti pour kill. Du coup, il met son ulti, t'es obligé de craquer un cooldown. De contrôle, et derrière il arrive, il met ses sorts, il met des pourcentages de dégâts dans tous les sens et tout, c'est très fort pour ça. Après bon, est-ce que c'est le meilleur match du jeu? Non, absolument pas. Clairement pas, il y a mieux, mais oui, c'est vrai que Malzahar c'est pas le match le plus poubelle actuellement. Ça a des dégâts intéressants. Ça force des QSS sur les carries, donc c'est un peu comme Z, ça retarde vachement les power spikes. Puis ça flaque, hein, qui fait des dégâts en fonction des PV. Ça fait très mal, hein. Plus aberrant du jeu, hein. Ça fait très, ultra très mal. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de sort dans le jeu qui fait plus mal que ça. Alors là, je t'avoue que je n'ai pas la réponse actuellement. Et du coup, ça va être une Norianna. Ah, alors là, je suis un peu déçu aussi pour Gong Bai Mom, qui part sur un pic un peu utilitaire au niveau de la mid lane. On a envie de répartir les ressources plutôt sur Altec. Donc c'est clairement un parti pris à double tranchant pour NRG. Ça peut marcher. Leur draft a du sens. C'est une draft très saison 5 un peu, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, exactement. Pendant que le chat dit non, mais Malzahar, c'est fort parce que c'est un gros win rate. Oui, c'est un gros win rate en gold en solo queue. Oui. Donc... Cette assertion n'a absolument aucune valeur au niveau LCS, même si bien évidemment il y a cette grande mythologie de croire que la solo queue a une quelconque forme de corrélation avec ce qui se passe à pro niveau. Eh bien non, voilà. Si jamais j'ai un perso qui a 85% de winrate en solo queue, mais qui ne marche pas en LCS, il ne marche pas en LCS, la preuve, Udyr avait un gros winrate et ne marchait pas en LCS. Ouais, il y a beaucoup d'autres personnages comme ça, effectivement. Alors, composition d'équipe du coup affichée. Attention quand même au scaling late game des Team Liquid, extrêmement puissant avec ce Azir, même avec ce Echo hein, qui scale de manière tout à fait intéressante. Et cette Kalista, la capacité de teamfight des compagnons de Piglet est redoutable. Contre à côté, une composition très tanky, voilà, très saison 5, très lock mono cible avec une petite shockwave à glisser par-ci par-là. Ce sont des drafts aux antipodes, Zab. Ouais. Mais c'est vraiment ça, c'est une opposition de style et c'est ce qu'on aime. Mais oui. Voilà, moi je suis pour la diversité des compos. C'est une vraie phrase de politique ça. Oui. Je suis pour la diversité, pour le changement. Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Ouais, c'est ça, cette fameuse phrase. Changeons les mentalités, changeons les compos. Oui. Apportons du soutien. C'est dans la diversité qu'on crée l'innovation et qu'on apporte l'emploi. Voilà. Des phrases de Politica. Autant de mots utilisés pour rien. Attention, Moon qui va devoir reculer. Sans trop de soucis actuellement. Attention, les Team Liquid et l'énergie qui se regardent en chaîne faïence actuellement. T'as l'impression de voir deux navires pirates au coude à coude. Attention, le flash, coup de bidon de Nardoche au niveau 1. Altec qui va devoir disengage. La fatigue, Impact qui recule également. Moon, le flash out de Moon, l'extirpation, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Dardoche, le coup de bidon, ça Dardoche va toucher le heal. Oh, attention, la tornade, ça va toucher Moon. Moon Burst Blood pour Lourlo sur cette grosse prise de responsabilité de la part de Dardoche. Deux coups de bidon sur trois personnes au niveau 1, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Alors attention, Team Liquid, c'est 77,8% de victoire avec le First Blood de récupérer. L'équipe qui snowball très très fort et la Piglet, regarde, qui part directement en proxy. On va deny la vague de sbire et faire perdre un maximum de temps au duo top des NRG. Voilà. Je t'avais dit que Moon, il ferait pas une bonne game. Non mais, c'est ça la beauté des LCS NA. Là, vous avez clairement une cristallisation de tout ce qui se passe en NA. À quelle heure est-ce que tu vois un Gragas qui flash coup de bidon sur 3 personnes au niveau 1 et qui refait la même 10 secondes après? Bon, sans le flash du coup. Sans, bien sûr. Sinon on est en mode URF. Et donc on part sur un swap lane AD. On va essayer de faire reculer Impact avec son Maokai. Voilà, Maokai qui va devoir back. Hein. De toute façon, il va se faire totalement détruire sur cette lane. Et voilà, on est en train de... Oh, attends. Attends, ils sont en train de faire un... Ah, ok, ils sont en train de faire le Chinese swap. Donc le Chinese swap, c'est quoi? C'est que tu envoies ton support au back. Et au fait, au timing 3 minutes où la duo lane adverse doit arriver sur la tour de ton solo laner, là, t'as ton support qui arrive, qui sort de nulle part, tel Mata. Tu bloques l'agression et du coup, tu empêches le swap tout en prenant des dégâts sur la tour adverse. Oh ouais, c'est ouais, ok. Ouais, c'est les défenses qu'on voyait de swap lane l'année dernière et il y a un an et demi. C'est ce que faisait énormément Mata saison 4, mais surtout en saison 5 chez Vici Gaming. C'est pour ça que j'ai passé un Chinese swap.
c'est cette fête de voilà, swapper juste ton support. Est-ce qu'il a bien sûr aidé à forger la légende de Mata qui pop de nulle part et qui sépare le Mata Teamfight en deux? Quand tu ne sais plus quoi faire, surtout tu utilises ton clic droit n'importe où en fermant les yeux, tu devrais avoir une lanterne de Mata. Et il y a Mata. Oula, attention, le TP au top de Impact qui vient déjà de se faire gratter un tir HP avec quelques lances plantées dans le sapin. Alors attention, Concon qui part à l'invade, là il est vu par Dardoche. Allez, le petit chapeau de Lubeck, ah, il est là. Il est de retour. La puissance de Lubeck. Et Dardoche, voilà, qui farm avec son Z, tellement fort le Z de Gragas. Ouais, je pense que c'est son sort le plus fort à part l'ulti hein, actuellement. Ça fait des dégâts vraiment énormes. Alors, Lourlo qui tente de farmer, effectivement, donc on a bien une défense de swap. Donc on a un 2v2 bot avec un top laner et un support. Ah ouais, c'est ça. Et donc du coup, on a un ADC qui va prendre des ressources contre Impact qui va jouer un tank. Bon, c'est pas mal pour Kalista. Après, est-ce que c'est optimal hein? Ah, attention, parce que là, il n'y a pas de map control. Mooney a envie de passer au top. Il y a le niveau 3, il y a le double buff. Et si, il y a l'information qui va être récupérée là, c'est bon. Piglet est en sécurité là. Ouais, il n'a pas peur. Hein. Il n'a pas peur de Moon, il sait qu'il n'y a pas de flash. Donc il n'y a pas possibilité de flash burrow. Le Maokai, il ne va pas non plus commit. Et là, il est en train de prendre plein de ressources très facilement et surtout de l'XP. Donc une extirpation qui va arriver très tôt pour Piglet. Et il donne l'information, ce qui va permettre à Dardoche de partir à l'invade. Un petit feu roulant dans les pattes de cette Rek'Sai et un Kruk de subtiliser. C'est très très bien fait de la part de Piglet là, qui intelligemment prend son temps et plutôt que de back pour deny l'entrée en jungle de la part de Moon, le bait jusqu'au bout lui fait perdre un maximum de temps. Ça fait un compte de jungle de récupérer, ça force Moon au back. Moon qui était déjà tombé par une fois, qui va prendre encore plus de retard sur Dardoche. Ouais, Dardoche, mais en fait c'est ce que je te disais, c'est les mid lane c'est tellement dur à ganker maintenant avec des champions mobiles et tout. Ah, voilà, tu détruis le jungler adverse, hop là, et Altec qui pourra pas back. C'est parfaitement fait ça de la part des Liquid. Et là théoriquement, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Regarde, voilà, on va reswap. On va reswap pour Matt. Pourquoi? Bah parce que tout simplement Lourlo a récupéré suffisamment d'XP maintenant pour tenir En solo ou en 1v2 même éventuellement. Bon, le 1v2 je pense pas, mais enfin il n'y a pas de raison qu'il reste en 2v1 en fait. Voilà, ouais. On va reswap, mais là il est bien, il s'est pas fait prendre sa tour. On a laissé Piglet farmer très tôt. Donc c'est pas forcément de mauvaise chose qu'ont fait les Team Liquid. Et tu le vois, hein, y a déjà un K5 gold d'écart avec ce First Blood, ses assists, plus cette phase de jeu. Ouais, First Blood, assist, 10 creeps d'avance au niveau des carry AD, une vingtaine de creeps d'avance au niveau des top liners, ça commence à faire pas mal. Et même Phoenix, hein, il en sort plutôt bien dans le match-up. Bon, voilà, cette phase d'avance est très très léger, mais sur le temps, attention. Au niveau des ADC, c'est pas mal. Hein. Ouais, au niveau des ADC, par contre, ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est 10 creeps. Pour une Kalista contre un Lucia, normalement, tu prends un match-up qui est dur. Et là, bah, tu prends un peu d'avantage en XP. Et là, voilà, la Kalista qui va rejoindre la Janna. Donc Matt, en fait, bon, il n'a pas sacrifié beaucoup. Il sacrifie un petit peu l'XP de son solo laner, mais il lui offre aussi pas mal de gold, puisque 26 creeps à 13. C'est énorme. Hein. Ouais. C'est énorme, mine de rien. Et là, on est sur un Echo Tank. Donc voilà, il fait son premier back, il revient avec Manteau du Spectre. Donc il est clairement pas inquiété par le Maokai d'Impact, même s'il part sur double Doran. Et il va pouvoir commencer à avancer tranquillement sur son optimisation. Certainement, les cendres de Bami qui devraient venir juste après compléter ce Manteau de Spectre, histoire de pouvoir push. Et voilà, on va monter en puissance, on va split, éventuellement peut-être plus tard un point givrant pour mettre un petit peu de pression sur les bâtiments. C'est comme ça que ça joue. Et voilà. Et voilà, les poignes de l'immortel, les fureurs avec les Thunderlord. Et bien évidemment, on a pris la bénédiction de l'aéromancien sur Janna, aucun intérêt de prendre quoi que ce soit d'autre. Hein. Non, clairement pas. Thunderlord, c'est nul. Non, sur Janna, il y a l'aéromancien. De toute façon, l'aéromancien, en termes de support, c'est peut-être la maîtrise la plus forte actuellement. C'est juste qu'elle n'est pas jouée, parce qu'on joue sur des tanks qui n'ont pas forcément des shields. Mais tu vois, par exemple, Alistar, ouais. Alistar, c'est joué 24-24 à niveau pro avec l'aéromancien. Ouais, tout le temps. Oh, attention, l'agression est bonne sur Altec. On va mettre justement les attaques sur Concon, Altec, qui va peut-être prendre une extirpation de la part de Piglet. Et voilà, encore une fois, c'est vrai, ils gagnent tout le temps leur lane. Hein. Ah, c'est. À laisser la Kalista d'open pour Piglet, c'était vraiment une grosse prise de risque de la part des NRG. On s'est dit qu'elle était nerf. Sanctionné. On s'est dit qu'elle était nerf. Double Leaf n'a pas été exceptionnel non plus hier avec. Donc on a voulu y croire. Le problème, c'est que ça fait très très mal en lane. Bah, avec une Janna, ouais, en fait. Enfin, l'intérêt vraiment de jouer Kalista avec un support qui pile, c'est que ça t'offre du temps de dégâts et ouais. Kalista snowball particulièrement bien sur le temps. Ah, attention, l'Urlo, le go-in sur Impact, le coup de bidon qui force le flash out. Là, ils ont nerfé, c'est bien quand ton support frappe la marque et que tu la frappes aussi, les pourcentages de PV ont été nerfés, c'est ça? Alors ça, je me souviens plus exactement, il faudra vérifier. En fait, ce qui est surtout important, c'est le changement sur la vitesse d'attaque. Oui, ça, oui. Après, sur la marque, à vérifier, je ne veux pas dire de bêtises. Je vais te dire. Alors, Moon qui va continuer de farmer son blue buff.
tranquillement, enfin son bluff, le bluff de l'équipe adverse d'ailleurs, et Gangbaimom qui va faire la rotation et arriver tranquillement. Le problème c'est que là il perd du temps, mais il est une heure d'énergie et ça laisse le temps à Phoenix d'aller à la fois récupérer le bleu et en plus de deny une vague de sbire. Parce qu'au début ça faisait 10% des PV max, hein, ça fait 5%. Ouais, ouais, ce qui est quand même c'est pas quand même été nerfé de moitié. Oh, l'ulti de Piglet sur le bon concon, le troll qui est passé au flash out. Oh, bonne utilisation de la falaise là. Il n'y a plus qu'à le tech qui a son flash concon, il a juste une fatigue. Et là, les Team Liquid ils ont tous leurs sorts d'invocateurs, ils sont bien, ils récupèrent max de farm. Et en plus bah, il a déjà son arc court, ou Gunbymum qui vient peut-être en renfort pour essayer de protéger la tour. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, la Gunbymum? Il décale, là. Prend l'info, j'ai l'impression qu'il est à la recherche de... Voilà, il est à la recherche de Dardoche. Ouais. Le bon Dardoche qui est parti sur les Corbins, là, et le Coubidon. Coucou, Gunbymum, il y a un niveau 6, attention. Le Gragas de Dardoche, il y a une Shockwave également. L'arrivée également de Konkwon pour mettre un pilier. Peut-être il faut disengage, je pense au Gragas, le Tidarix qui est passé sur le flanc. Le petit chapeau du mec pour gagner du temps, le TP. Dardoche, Teto se referme, la partition impériale. Oh, Dardoche il s'est un peu ambiancé, il va partir, le Z, le goût de bidon, ça suffira à passer le kill pour Moon. Ah, il mobilise l'attention de 4 personnes quand même de la part de l'NRG, et ça permet de gagner de l'espace à Lourlo qui avance encore sur son CS. Plus 20 par rapport à Impact, on fait craquer un TP. Bon, ça reste un deuxième kill pour NRG, mais je dirais que c'est un kill qui est limite pas rentable en fait, vu les ressources dépensées par la line-up redside. Ouais, mais t'avais pas le choix, une fois que t'as commencé à employer ce genre de ressources, t'es obligé d'aller jusqu'au bout. Altex est bien, la meilleure perforante, la Kioling sur Piglet, mais l'arrivée avec l'œil du cyclone de Matt pour protéger son carry AD, toujours ensemble. On va revoir l'action. Là, il prend l'info. En fait, là, il doit pas y aller, Dardoche. Il chauffe un petit peu, mais il a pas de quoi disengage, il a pas de vision derrière. Phoenix est encore très très bon pour backup. Là, Konkwon, très réactif sur le petit chapeau de Lubeck, pareil, derrière TP et ulti Rek'Sai. Là, il n'a aucune chance de s'en sortir. Et là, intelligemment, il ne suicide pas, il prend son temps, il force le flash, certes, mais derrière, il y a 4 personnes de mobiliser. Si on regarde sur les autres lanes, ça laisse le temps à Piglet de faire son back, ça laisse le temps à Lourlo d'avancer avec deux sbires, ça laisse le temps également à Phoenix d'avancer. Phoenix, c'est plus 20 CS maintenant sur Gangbaimon. Ouais, c'est 20 creeps, c'est énorme hein, sur un Azir. Et on a ce duel. Donc c'est assez intéressant. Il y a que Ouni qui joue full AP en fait, Echo. Ouais. Mais ça, c'est, je trouve, c'est une légère incohérence dans le jeu. C'est qu'Echo a été designé, et c'est un champion qui est sorti récemment, il est designé pour être joué assassin mid lane. Et en fait, on l'a retrouvé pendant 6 mois en jungle tank, et maintenant on le retrouve en top tank. Ouais. Donc, bon, pourquoi pas, hein, moi ça me fait plaisir. C'est un champion qui est vraiment sympa à regarder jouer et qui est vraiment intéressant. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un raté quelque part au niveau de la conception? Toujours pareil, hein. Des systèmes de tank tellement forts. En fait, c'est toujours le problème des dégâts de base par rapport au ratio. C'est que si jamais tu veux un jeu en fait, où les champions sont extrêmement orientés, il te faut très peu de dégâts de base et beaucoup de ratio. Et à ce moment-là, tu seras obligé d'acheter de la paix parce que tu ne mettras aucun dégât. C'est vrai. Et vu que tu as des tanks qui ont des gros dégâts de base, etc. Oh là, Phoenix, la virgule. Joli, 2 walls de sauter. C'était propre. Ce qu'il vient nous proposer. Et pour revenir rapidement sur Echo, il faut savoir que les dégâts de base ont été nerfés d'environ un quart par rapport à ce qu'il avait l'année dernière. Azir ? Echo. Ah oui, Echo, oui, bien sûr. Et là, la Kioling pour défendre, c'est pas mal. Cette pression au niveau de la T de Kemiz par les Team Liquid. Attention au flanking peut-être des NRG. Le problème, c'est qu'on a utilisé beaucoup de ressources tout à l'heure. On ne peut pas trouver des flankings toutes les 15 secondes. Non, pas et possible. On va deny les Krug tout en mettant de la pression sur cette T2. On continue, Ailey, on a envie de. Un petit peu de s'entêter du côté des Team Liquid sur cette top lane. Mais c'est pas mal ce qu'ils font, parce que regardez sur la minimap, là on voit Gangbaimom qui hésite à faire le décalage et ça offre de l'espace au Azir de Phoenix qui continue d'avancer sur son farming et sur sa dame Nashor. Et au bout d'un moment, le travail d'érosion mis en place sur la T1, et ben il va payer. Ouais. La tour va tomber, lorsque la tour tombe, quand tu as une Kalista et un Gragas, tu sais que c'est la fête pour les escarmouches. Ouais, c'est très fort, hein. Kalista, mon Kalista Janna, c'est un peu moins fort que Kalista, mais Janna apporte tellement à Kalista, je trouve. Le fait d'avoir le shield, l'extirpation, et puis surtout, comme tu l'as dit, du peel, donc de la durée de fight, donc de la durée de stacking de lance et d'Ardoche. Encore une fois, qui va faire le proxy, on va tout mettre. On va juste zoner, c'est pas grave. Voilà, Matt, il est là pour zoner le temps, mais il met l'œil du cyclone sur et son carry AD. Et la T2, c'est la T2 même. La T2, pardon, autant pour moi. Et c'est ça qui est beau, là, vraiment, de la part de Piglet et de Matt, c'est qu'on zone, comme tu l'as dit, avec l'ulti de Kalista. Janna, peel, pendant ce temps-là, on défonce la tour. Pendant ce temps-là, au niveau de la minérie, il y a les Phoenix, il est sur la tour également. Là, au niveau de la macro. C'est, ouais, c'est impeccable parfait. Ce qu'il propose. Oh, la virgule de Phoenix pendant le rush de Impact. Et du coup, Impact s'est retrouvé au milieu de la lane. Il s'est fait partitionner impérialement. C'est bien dit. Ouais,
Mais du coup, il n'a pas pu mettre les dégâts et le contrôle nécessaire à la mort du midlaner de Team Liquid qui a bien escamoté la tour midlane. Alors, il faut savoir que historiquement, Phoenix, c'est l'un des premiers joueurs à avoir sorti au niveau pro Azir. Et c'est en tout cas celui qui a montré au grand public les virgules, par exemple. Et à partir de là, le champion était vraiment joué. Donc en fait, s'il y a un joueur qu'on peut dire qui est... Oh, le reset, il est Piglet. C'est le plus gros fail de la carrière de Piglet. Ouais, échec critique. Ouais. Déshonneur sur 15 générations. C'est ça. Malheureusement. Donc voilà, donc autant vous dire que le Azir de Phoenix, c'est un monument. Et qu'il va falloir le respecter côté NRG. Et Gunvay même qui récupère le blue buff. Et Dardoche toujours mobile, toujours en train de déranger. Il a vraiment, quitte à donner un kill, il a une omniprésence sur la carte. Tu vois, c'est ça qu'on attendait des junglers européens. Je pense qu'on n'a pas eu du tout. Ouais, je pense à Shook par exemple hier qui a été transparent. C'est ce genre de tentative. Quand tu joues dans ta partie de la map, finalement, tu ne crées absolument pas de mouvement pour l'équipe adverse, donc ton équipe ne peut rien faire. C'est complètement statique. Et encore une fois, Gold Rush. On va réussir à WFT. Mais un peu de pression, hein, l'écho runique sur Dardoche qui commence à faire le boulot sur le POC et toujours en fait hein, ce système de pressing sur les side lane des Team Liquid qui est très très bien fait, qui permet encore au Azir de Phoenix d'avancer. Regarde, 30 creeps d'avance et c'est Gunvay Mom en face. Ouais, Phoenix, Gunvay Mom il s'est un petit peu déplacé, en plus il est parti, oh là. Alors le Rihanna Graal. Graal double Doran. Graal, alors, double attention Doran, le dive sur Gunvay Mom. L'Urlo qui prend ses responsabilités. Phoenix, Tal Shockwave qui va être flashé au passage par ce écho. Ouais, l'Urlo qui a pas hésité. Hein. Ils veulent vraiment, vraiment terminer la game rapidement. Ils veulent jouer sur l'outplay, les Team Liquid, un peu comme les Immortals. Tu vois, c'est exactement ce style de jeu là où tu vas avoir un Uni qui va sortir de nulle part. Le truc c'est qu'Uni joue full AP, donc il arrive, il dash, il tue en 2-8. C'est vrai. Mais c'est vraiment d'aller chercher la T1, la T2. Et là, ils sont sous une pression monstrueuse de l'énergie parce qu'ils se disent. Ça peut arriver de n'importe où. Du coup, c'est à nous de créer le décalage, de faire la différence. Mais l'Urlo, il a déjà son TP. Il peut intervenir sur la tour bot lane. Sur la mid lane, c'est Azir Phoenix qui pour l'instant reste statique. Et au lieu de forcer une game macro en forçant le 1-3-1, en jouant calmement les NRG, eh bien, ils sont obligés d'être en défense. Et de ce fait-là, eh bien, les Team Liquid ne souffrent pas du tout de leur mid laner statique. En fait, typiquement, pour ceux qui étaient présents pendant les CS Europe, c'est ce genre de gameplay-là qu'aurait dû adapter les UOL face aux origines. Vraiment une prise à la gorge où tu joues sur les rotations, tu joues sur des 2v2 assez forts et tu balayes la carte, tu balayes, tu prends les objectifs et encore la Piglet et Matt qui font un très très bon travail sur cette T1 bot. Altec qui se fait gratter midlife sur cette phase de jeu. Et pour vous dire à quel point ce qu'énergie de dure, on a une Sidestone qui a été rushée par Amun avant que les signatures soient complétées, on a double Doran plus Gralimpi qui est certainement le starter d'item en tant qu'AP Min qui est le plus défensif possible. Super. Je pense qu'il y a le séculaire quand même qui est plus défensif que le Graal. Le problème c'est que tu t'orientes sur du very late quoi. Avec ça oui clairement, c'est une Orianna qui va pas faire de dégâts avant 30 minutes de jeu. Hein. Sachant que derrière on a un retard de 15 creeps au top, on a 30 creeps au mid, on a plus de 30 creeps au bot aussi. Ouais le farm, juste ça. Et tu regardes les cargoles, bah, il est monstrueux. Et le dive. Et voilà, Moon. Et le dive sur Moon, il a son flash, hein. Il y a un bureau éventuellement, c'est bon la T1 qui va tomber. Moon le disengage, Gunvay Mom, pris à partie, Gunvay Mom qui se fait ramener, Gunvay Mom qui a été une véritable boule de bowling sur cette phase de jeu. C'est méga fort Team Liquid, hein. C'est méga fort, ils sont en train de détrier les NRG. Regarde, il y a déjà 6 Kagol et on va passer à 7 Kagol. Et pour l'instant, on a Impact qui se fait massacrer par l'Urlo. On va faire la rotation sur la top lane. La top lane. La top lane, elle est fameuse. Elle est là. Le speed touch de l'Urlo qui fait la différence. L'arrivée de Dardoche en renfort. Le route de Impact pour gagner un petit peu de temps, ça ne suffira pas. Le route de Matt. La rotation est parfaite, il y a du énergie étalée partout sur les murs. Team Liquid est en état de grâce ce soir. Incroyable. Incroyable. Je suis vraiment impressionné. Hein. Là, c'est propre. Tu m'étonnes que le manager il est chaud, il dit ça a été en... Et hop là, et Phoenix. Voilà. Phoenix, on gank, pas de problème. Il a encore une barrière derrière s'il le faut. Non, c'est intelligent, en fait c'est brillant tactiquement et c'est brillant mécaniquement ce qu'il propose. La top lane. La top lane et le speed touch, mec. C'est, la top lane et speed touch. Regarde, c'est un là. Combo gagnant, quoi. Clac. Paf. Clac. Ok, un kill. On le ramène. Rotation de contrôle parfaite. On avance. On va siéger la T2. C'est Wombo combo parfaitement exécuté.
au bon moment, au bon endroit. Et pas pour rien, encore une fois, c'est sur une prise d'objectif, parce qu'on sait que derrière, il y a Lourlo qui est en train de gagner son match-up contre Impact, donc il va pouvoir faire reculer Impact, et du coup, on va pouvoir faire la rotation pour bloquer, on va encore prendre des kills. Ça va très très vite. Oh, Matt, il va être obligé de flash out. C'est la petite erreur peut-être là pour le support des Team Liquid qui va pouvoir se remettre en sécurité. Et alors, petit point d'élimination, la cape solaire complétée pour Lourlo. Regarde Lourlo hein, qui prend une brillance assez tôt dans la partie également pour pouvoir push les tours rapidement. Regarde l'élimination d'Impact en réponse. Il n'y a rien à proposer pour ce Maokai. Il n'y a pas grand chose non plus pour la Orianna de Gongmai Mom là, avec sa baguette trop grosse qui n'a même pas les bot upgrades pour le moment. Alors que du côté de Phoenix, on a les bottes de Mercure pour être safe en teamfight, la dent de nageur pour le push de tour et le bâton du vide pour les teamfights. Ah non mais ils sont trop trop bien, mais ça t'imagines, t'as 18 minutes de jeu, t'as 8 kills de retard, après on est en LCSN Ayali. C'est le moment de savoir est-ce qu'ils vont réussir à prendre une T3 et un inhibiteur avant de jeter leur cœur et leur âme au milieu du pit du baron. Et puis il y a un homme en forme, voilà, Piglet qui vraiment impose sur sa lane. Voilà, très honnêtement, tu enlèves l'interface, tu vois pas les pseudos, tu sais pas qui joue. Moi, je parlais sur des Coréens, là. Non, mais ça joue très très bien. Après, faut faire attention, les NRG, ils sont un petit peu mous, ils ont donné le First Blood. C'est un peu mou, c'est vrai. Il y a beaucoup de paramètres, mais en tout cas, par rapport au niveau NA, Team Liquid, c'est extrêmement fort, là. Alors, faut dire que, ouais, Team Liquid... C'est niveau Immortals, quoi. Ils snowball sur un avantage léger, quand même, qui est donné. Parce que, oui, il y a un First Blood, mais derrière, c'est une domination de lane qui fait que ça snowball, c'est du map control, c'est des stratégies mises en place, c'est pas... On s'est pas contenté de face roll sur une lane qui avait gagné. Non, on appuie un peu partout et là encore elle continue, un Piglet qui gratte chacun des points de vie, qui prend tous les risques là, Lourlo qui continue de mettre la pression au niveau de la top lane. Ouais. C'est propre ce qu'il propose. Ah bah là c'est très très propre, voilà Piglet qui vient, l'œil du cyclone, on attend les sbires. Et on va forcer le wave clear, peut-être même une culling de la part de Altec, voilà, on est obligé pendant ce temps. Eh bien, on frappe la tour, on perd pas de temps, il n'y a pas d'engage côté NRG, Piglet qui n'hésite pas, et on y va, on met l'extirpation, Concon qui prend de lourds dégâts, le héros de la faille qui vient de disparaître, tandis que la T2 en fait de même sur la bot lane, ça va extrêmement vite. Prennent les NRG là, pourtant elles sont loin d'être mauvais, mais on est à 20 minutes de jeu, il reste que les T3 de up. Toutes les lanes ont gagné en farming, la draft est plus forte en late game côté Team Liquid que côté NRG, à cause de ce Azir, je pense. C'est une maîtrise impeccable que proposent les compagnons de Phoenix. Ah ouais, là, il n'y a pas grand chose à dire. J'attends de voir comment on termine cette partie du côté Team Liquid. On a 9 kagols d'avance à 20 minutes de jeu. C'est Immortals, quoi. C'est du Immortals level. Mais je veux voir la conclusion avant de crier au scandale en termes de niveau pour les Team Liquid. Mais il y a un beau progrès. On sent qu'Immortal, ça drive énormément la méta nord-américaine. Ouais. Tu sens qu'un peu comme les Fnatic en Europe l'année dernière, le fait d'avoir une équipe vraiment très très forte, ça force tout le monde à se mettre au niveau. Et donc tu vois des équipes comme Team Liquid qui ont commencé. Honnêtement, tu voyais un Liquid Impulse et tu disais, bon, bah Impulse, pas trop mal et tout. Tu vois les Impulse jouer les relégations et derrière, tu vois Team Liquid jouer comme ça, c'est quand même très impressionnant. Ouais. Ouais, c'est assez fou. Hein. J'ai un peu l'impression qu'Energy est quand même... quelques mois de retard au niveau de leur draft, mais ça n'enlève rien à la superbe des Team Liquid qui, là, honnêtement, 21 minutes de jeu. Là, en fait, ils ont été tellement vite qu'ils vont trop vite pour le jeu. On a 21 minutes de jeu, c'est trop tôt pour prendre le Nashor, c'est trop tôt pour cibler les inhibiteurs. Du coup, on peut tenter les catchs éventuellement. Ouh, joli, l'ulti de l'Urlo qui va pop sur Impact. C'est compliqué, ça reste un Maokai. Attention, ça deal massivement. Et Phoenix, le décalage au niveau de la bot lane. Il y a Phoenix qui va arriver. Impact essaye justement d'en terminer avant, mais il a lancé l'ulti. Ça y est, il a vu le poteau rose. Hop là, on va commencer à mettre les soldats de Shurima. On va mettre la partition impériale. Et voilà, hop là, on va faire la virgule. Et ça repart. Propre. Ouais. Propre, efficace. Gangbai Mom qui est en retard. Et pourtant, Gangbai Mom est un dieu du roaming. Mais ça ne suffira pas sur cette phase de jeu. Bon, un petit pick-up, on va passer à l'offensive. Team Liquid là. Et ça va qui veut gratter cette T3. Ça va être un 0% de win rate pour Maokai encore. Pour Impact. Et on avance. Le siège est bon en plus avec ce Azir. On va gratter juste un peu de temps côté Team Liquid, faire la rotation de la baron, ça ping le baron immédiatement. Regarde, on a pris toute la vision. Kalista Azir Gragas. Ouais, Kalista Azir Gragas, ça va être dur. Al-Nashor, l'Al-Nashor et les genoux qui font bravo. Enfin, si genouille là, bien sûr. Regarde, par contre, ils sont wardés. Ils n'ont pas clair la ward. Ah mais regarde la vitesse, on est à 22 minutes de jeu. Hein. Ouais. 22 minutes de jeu, smash. Oh le steal. Oh non, cette ward, mais regarde l'engage. Va profiter, les deux dégâts sont très très...
très bon, ça fait 2 kills pour les Team Liquid. Alors là par contre il faut prendre un inhibiteur immédiatement, il y a 2 kills, on vient de concéder un baron. Oh quelle erreur, il y a une Kalista, Azir, Gragas et tu perds le smite. Allô quoi. C'est les NA. C'est à beau avoir une équipe qui joue divinement bien, elle n'est pas à l'abri de se faire stealer un Nashor, et c'est ce qui vient de se passer. Et là, l'équipe des Team Liquid qui crie vengeance, on a envie de partir sur le siège, la convergence qui va prendre un petit shield pour l'Ourlo. Et on avance petit à petit sur cette T3 au niveau de la top line. Altec qui a déjà perdu avancé avec deux sbires. Ils n'ont pas le temps, les Team Liquid, ils n'ont pas le temps. Ils vont essayer d'aller prendre directement cette T3. Konkon qui arrive, Gant by Mob, Ramsey qui n'a pas de sbire. Le Baron qui sert à rien. Et ça passe. On rentre dans la base adverse pendant qu'on se fait zoner par les soldats de Shurima. Bien dirigé par la baguette de Phoenix. On a quand même concédé un Baron, c'est bien dommage. Hein. Ouais, ils s'en sortent pas si mal que ça quand même, Team Liquid sur le style. Un petit T3 de récupérer, il va falloir gagner un petit peu de temps. Là par contre, Piglet qui doit s'en vouloir. Ah, il est bien, il a 700 HP sans smite. Très très propre là. Voilà. Je t'avais dit que Mooney ferait un très bon BO. Le but c'est de te le dire. Le super héros. Le but c'est de te dire. À chaque fois qu'il fait une erreur, je t'assure qu'il a fait un BO de merde. Et à chaque fois qu'il fera un bon truc, je te l'avais dit qu'il ferait un super BO. Très bien. Voilà. Comme ça, le chat pourra dire que je retourne tout le temps ma veste, ce qui est vrai. J'ai une veste irréversible. Oui. Voilà. Tout à fait. L'autre couleur de ma veste est violette et blanche. Coïncidence, je ne pense pas. Avec parfois des soupçons d'orange. Yeah. C'est beau ce que tu dis, Zal. Je sais. Grand poète. Alors, Dragon qui va être up. 20 secondes. Le deuxième de cette game. Dragon qui n'a pas vraiment été contesté dans cette partie. On a pris pas un le temps. Côté Team Liquid parce qu'il n'y avait que ça à prendre, mais... Ouais. Pas le temps. Bah, je te jure, cette game, les Team Liquid qui sont en mode Astérix et Obélix, tu vois. Le village d'Astérix contre les Romains. Ouais, c'est ça. C'est vous entrez pas. Si, on entre. Coucou. Et là, il y a une brèche dans la défense d'énergie. Team Liquid qui pourrait décider de repasser à l'assaut. Il faudrait peut-être temporiser la fin de ce buff Nashor. Il reste 50 secondes. Récupérer le dragon. Le deuxième qui sera déterminant au niveau du push de tour, bien sûr. Ça change pas grand-chose, moi, je trouve. En fait, sur des, tu vois les phases de siège que faisait Piglet tout à l'heure avec du cyclone où il mettait 2-3 autos. Ça améliore un peu. Mais tu gagnes pas une game parce que t'as pris un deuxième dragon, quoi. Non, mais ça aide, du coup. C'est ça. Hop là, le stun qui passe sur Impact. Impact qui prend de lourds dégâts, l'arrivée d'Oriane à l'Ourlo qui doit pas faire d'erreur. Et le buff Nashor hein, qui gêne toujours. Allez, un petit peu de poke pour Phoenix. Attention, Piglet. Ouh, il y a une Shockwave qui a été linkée là, qu'on n'a pas vu malheureusement. Le Baron Powerplay négatif pour énergie actuellement. On avance sur l'inhibiteur topside. Dardosh, des petits fûts roulants à droite et à gauche, la convergence. Attention, l'Ourlo qui ne prendra pas ses responsabilités sur cette phase de jeu. Non. Et on avance sur la top lane du côté des Team Liquid. D'aller chercher un inhibiteur qui serait synonyme de, pas de victoire, mais en tout cas d'un grand pas vers cette victoire des Team Liquid dans la game 1. Oh, c'est pas mal, Gunbymum, le flash out de Gunbymum, l'arrivée de l'Ourlo qui va réussir à temporiser. Pendant ce temps, il faut taper l'édifice, cet inhibiteur qui serait si précieux, qui ouvrirait toutes les rotations. C'est un inhibiteur sur une side lane, c'est extrêmement avantageux pour les prochaines minutes pour les Team Liquid. Et c'est récupéré. Avec ce bon travail d'érosion mis en place de la part de Phoenix notamment. On va faire le back, peut-être temporiser le retour du prochain lâcheur pour les Team Liquid et repasser à l'offensive. Faut push les side lanes, récupérer du map control, récupérer du stuff. Et là on a un palier, ouais, on a juste un palier de plus au roll par roll. Hein. Ouais. Le Riley qui va faire beaucoup de mal, il y a une BT en préparation pour Piglet, ça va être très très dur de tomber cette Kalista. Après il y a Michael Crucible et QSS. Ouais, là, ils sont. Enfin, pour aller choper Piglet et Matt, il va falloir se battre. Hein. En termes de contrôle, battre Creuset de Mickaël et QSS, plus ulti de Kalista, plus Mousson. Sachant qu'il y a. Plus flux explosif de Dardosh. Il n'y a pas grand chose pour aller chercher. Il y a Impact sur un flanking. Bah, éventuellement mettre, Moon. Faut mettre une méga Shockwave. Le problème, c'est que cette optimisation à base de Graal et d'écho de Luden. Ah, il n'a pas de dégâts là. Il n'y a pas de dégâts. En fait, il a. Non, rien aurait du dégât avec ce stuff là. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a en face? Manteau de spectre pour l'Ourlo, manteau de Négatron, Iron Solari, manteau de spectre, botte de mercure, QSS, Michael Crucible. Game over quoi. Ouais, exactement. Et là, je te demande ce que peuvent faire les NRG. Et on va avoir ces quelques minutes de tempo en fait, là des Team Liquid. Ils ont compris qu'ils ont l'avantage, ils ont pris l'inhibiteur, ils vont forcer Impact à jouer sur la top lane, ils vont rotate sur les side lane, ils vont prendre toute la jungle. Et normalement, il devrait prendre le prochain baron et terminer la partie. Ouais, c'est ça, là c'est un petit peu le calme avant la tempête. Hein, les Team Liquid
qui avancent tranquillement. Ils sont sereins là pour le moment. Alors attention à ne pas se faire surprendre tout de même, mais les chances de défaite sont infimes dans cette game 1. Après, ça reste un BO5. Attention NRG, c'est le genre d'équipe qui est capable de strater entre deux games et de revenir avec une draft très forte. Ouais, NRG qu'on trouve pas trop la solution. L'arrivée de Dardoche, c'est pas mal justement. Le feu explosif, l'arrivée de Lourlo, les dégâts sont énormes. Qui va tomber? C'est déjà du kill Cocon qui est en difficulté. Il va tomber à son tour. Impact. Les dégâts sont hallucinants de la part des Team Liquid. Les Gargoyles parlent pour lui. Et forcément, eh bien, ça fait 11 à 1. Même le Brésil contre l'Allemagne n'a pas pris une violette pareille. C'est un score de ping-pong. Je suis curieux de revoir le replay honnêtement de ce fight. Enfin, ça c'est un fight vraiment qui vaudrait le coup de faire un fightissimo. Ouais. Parce que mécaniquement, l'engage de Dardoche sur deux joueurs, tout est linké parfaitement. Voilà, Team Liquid. Écoute, je savais pas qu'ils étaient capables de jouer comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le savait non plus. Non mais écoute, là les énergies sont en train de se dire waouh. Ok, on vient de se faire massacrer. Il va falloir trouver des solutions. Parce que il y a eu des erreurs côté Liquid. Hein. Il y a quand même un baron. Ils se font style un baron et ils terminent en 30 minutes hyper facilement. Ouais. Propre. Clairement. Non, c'était. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire à part ce Steam Nashor. Et Piglet qui fait son petit misplay tout à l'heure. Ouais, mais Immortal Level mais... quoi. Sinon, bah écoute. Écoute, ces victoires pour les Liquid. On est un petit peu sur le cul comme vous. Du coup, je pense qu'on va envoyer la pause assez ouais, rapidement, on va faire histoire ça. De reprendre nos forces et puis on revient juste après pour la deuxième game de ce BO5 entre Liquid et NRG. À tout de suite. Et de retour, messieurs dames, pour attaquer la deuxième game de ce BO5 opposant des Team Liquid flamboyants contre NRG qui sont complètement dépassés ouais. Après une première game qui a été vraiment maîtrisée d'une main de maître. Exactement, les Team Liquid, c'était assez prévisible entre guillemets, vu la forme des Team Liquid à la fin de ce split, ils étaient vraiment monstrueux. Et en tout cas, tout le monde les attendait à un niveau plus élevé que ce qu'ils avaient pu montrer en moyenne pendant la saison. En face, les NRG qui ont plus de mal, hein, qui ont une saison un petit peu chaotique. Là, les Liquid, en plus... On voit Phoenix sur Azir. Donc Azir, c'était son champion de prédilection la saison passée. Maintenant, il a l'occasion d'y retoucher. Et ça tombe bien parce que Azir est le midlaner du moment. Ouais. Et il l'a montré. Il a fait des merveilles dessus. Et ce qui m'a personnellement vraiment impressionné, c'est qu'à la fois Team Liquid a été très fort tactiquement, sur cette invade notamment, sur ce first blood récupéré assez tôt, sur des rotations. À la fois également au niveau de la phase de lane, puisque les 2v2 ont été gagnés. Au niveau du mid, c'est pas... enfin, le 2v2 a été gagné. Les solo lanes ont gagné également au farming tout seul. Et derrière, ça a très très bien snowball. Il a suffi que l'énergie lâche un tout petit peu de terrain, crée une mini fight dans laquelle les Team Liquid sont engouffrés à base de rotation. On vous l'a dit sur le coup des 21 minutes de jeu, plus de tours récupérable facilement, il ne restait que les T3, pas de Nashor, pas d'objectif. Team Liquid est obligé de stall la game parce que le jeu ne snowball pas assez vite. Ils prennent leur temps, ils se font style à Nashor, certes, c'était l'erreur, la grosse erreur peut-être de cette game. Ouais, après, bon, en fait, l'erreur c'est peut-être de tenter le Nashor dans le sens où ils n'avaient pas besoin de ça pour gagner, ils étaient déjà devant. Après, l'erreur de se faire style Nashor, bon, c'est une erreur mécanique, mais finalement, c'est assez indépendant du niveau de jeu réel de l'équipe oui. De se faire style le Nashor. C'est plus l'action qui a mené à ce style qu'on peut juger. Mais bon, comme quoi, ils étaient suffisamment devant pour gagner. En se faisant style un Nashor sans problème. Les Liquid vraiment impressionnants, ils avaient gagné contre Cloud Knight de manière assez convaincante juste à la fin de la saison régulière. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que les Liquid vont être la grosse surprise de ces playoffs, enfin le cheval noir, comme on dit, le plus gros danger parmi ces pics, enfin ces équipes de bas de tableau, entre guillemets, en tout cas les 4, 5, 6e équipes. On va voir hein, les Liquid pour l'instant qui sont prometteurs. Ils sont très très chauds. Alors pour NRG, les clés pour arriver peut-être à remporter cette game 2 serait de se focus au niveau de la phase de draft sur peut-être la Kalista de Piglet. Laisser Kalista open dans cette méta, c'est risqué. Surtout dans les mains de maître de notre génie coréen préféré de chez Team Liquid. Ouais. Pareil, le Phoenix d'Azir, tu l'as dit, son pic référence, historiquement c'est lui qui a mis le pic en avant. C'est lui qui a inventé les virgules. Est-ce que c'est une bonne idée de le laisser ouvert? Sachant que Gone By Mom derrière part sur une Orianna. Et très clairement, une thémisation double de Ran into Granimpi, ça fait pas de dégâts malheureusement. Et il peut pas peser dans son duel, il se fait complètement mettre sous camisole comme on l'avait dit dans le pré-show. Et à partir de là, Phoenix déroule son jeu. Donc peut-être se focus sur les carrés Team Liquid pour NRG. Ouais, ça a toujours été le style des Liquid hein. depuis que Piglet et Phoenix jouent ensemble. On mise vraiment beaucoup sur les carrés en termes de dégâts. Et après, il y a eu l'arrivée donc, de Dardoche qui apporte beaucoup dans la jungle, qui met beaucoup de pression. Mais c'est vrai qu'on aime beaucoup le scaling, un peu late game, même si là, la partie était assez rapide. Il y a un petit sujet d'ailleurs, on va passer sur le sujet. 엄청나게 많이 잘해졌어요. 그래서 탱커들도 따지고 보면 제가 볼 때는 언영이한테도 안 밀릴 정도로 잘하는 것 같고 정글은
말이 필요 없이 무조건 달덕이 더 잘할 거고 미대도 뭐 딱히 미대는 솔직히 좀 반반일 것 같은데 저희 정글러가 좀 더 잘해서 미드가 좀 더 잘할 것 같고 그리고 저 바텀은 저하고 메시 워낙 잘해서 솔직히 지진 않을 것 같아요. On voit beaucoup de respect pour son ancien coéquipier Impact. Chez Piglet, Piglet, il s'est autoproclamé meilleur carriadé du monde, je crois, à plusieurs reprises. Il me semble qu'il l'a fait il n'y a pas longtemps. Et il disait qu'en tout cas, leur bot lane avec Matt était la meilleure duo lane en LCSNA. Il faut savoir que Piglet, il a un profil qui ressemble un peu à celui de Double Lift. En fait, c'est un joueur qui est vraiment très très fier. C'est un joueur qui est vraiment brillant. C'est un joueur qui tilt aussi beaucoup. Clairement, c'est un joueur qui a énormément d'ego. Mais qui tiltait peut-être. Peut-être que maintenant, c'est... Alors, il est sur cette fin de split... En tout cas, il est beaucoup plus serein que l'année dernière, parce que l'année dernière, on se souvient quand même, il a réussi à rentrer en game avec des maîtrises AP sur sa carrière AD. Enfin, c'était, il y a eu une période de creux pour Piglet, très clairement. Là, il est chaud. Matt, nouvelle recrue, nouvelle tête en LCSNA qui fait un très très bon boulot. Monstrueux, Matt. Hein. C'est un de mes, c'est vraiment un de mes rookies préférés, je trouve. Et puis, dans ses interviews, il a l'air vraiment, d'avoir une mentalité vraiment intéressante, c'est-à-dire. Vraiment prêt à apprendre avec ses coéquipiers tout en étant assez mature, ce qui est assez rare pour les joueurs à ce niveau-là. J'aime beaucoup moi, Matt chez les Liquid. Et du coup, là, on est reparti donc, dans la phase de draft. On a ban Echo cette fois pour les Energy. Donc, le Echo de Lurlo. Ouais. Le Echo de Lurlo qui a fait parler de lui sur la première game. Alors, attention à sa Poppy qui a été également ban par Energy qui fait vraiment target ban le Lurlo. Pas de Gragas pour Dardoche qui était très efficace, mais du coup, pas de respect pour la Kalista et pour le Azir de respectivement Piglet et Phoenix. Côté Team Liquid, Bad Kindred, gros focus sur les jungles, sur Moon, pas de Kindred, pas de Nida et pas de Gangplank. Alors Graves qui a été first pick, ça peut être un Graves jungle ou un Graves top lane. Ça peut être intéressant éventuellement, on parlait du match-up sur la top lane, de mettre vraiment en difficulté Lurlo avec un gros pick carry du côté de Impact. C'est ce que disait Piglet, hein, avec, enfin, on espère que Lurlo va tenir son match-up avec un tank, même si pour l'instant Lurlo s'en sort très très bien. On va voir si Graves va être utilisé en jungler ou en top lane. Les Liquid qui peuvent prendre deux tours de drape là-dessus, qu'est-ce qu'ils pourraient prendre? Elistar est open, alors est-ce que ça peut être un pick intéressant à ce moment-là? Kalista toujours un peu être lock, la région NA adore toujours ce pick, même si Sivir pourrait être prioritaire. Ah, les deux se valent dans la méta, après c'est des optiques vraiment différentes. Alors, côté Team Liquid, le Maokai et la Janna. Oh, le beau nœud papillon. Alors, ça c'est Gangbam. Ouais, c'était Gangbam. Ouais. C'est toujours le style un petit peu excentrique. Et ouais, Maokai qu'on voit souvent first pick en ce moment, donc ça revient, le Maokai top. L'inamovible tréant de la top lane. Oh, la maxi composition pile pour Team Liquid, peut-être un hyper carré pour Piglet. Alors, la réponse pour NRG, la Sivir. Ah, Sivir synergiserait vraiment bien avec ce Maokai pour le flanking. On va se mettre de côté pour NRG peut-être. Ouais, il pourrait sécuriser aussi le jungler là. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il y a beaucoup de junglers qui ont été. Ah, alors là c'est classique. Le Gnar contre Maokai, c'est le counter pick parfait. C'est normalement un bon Gnar doit gérer un Maokai. C'est normalement le pick automatique. On aurait pu prévoir là-dessus. Et les Liquid du coup qui pourraient pick carry à des junglers. Alors jungler, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc Ragas a été pick, Nidalee aussi, Kindred. Donc il reste a priori Elise. En jungle, éventuellement Rek'Sai, même si Rek'Sai, honnêtement, je trouve pas ça excellent. Après, Dardoche a vraiment brillé sur Lee Sin. Donc, j'irais bien un Lee Sin Caitlyn là-dessus, sur ce tour de draft. Ouais, pourquoi pas. Ou Lee Sin et Azir. Et je pense que le Azir reste un pick de choix. Alors, le Gnar top, ça revient un petit peu. Oh, Lee Sin Kalista. Tu avais à moitié raison. Bah, je voyais bien un pick Caitlyn là-dessus en synergie avec Janna avec une grosse frontline devant, surtout que Piglet aime beaucoup la jouer. Mais pourquoi pas repartir sur Kalista. Après, c'est un petit peu moins de DPS en late game, mais c'est un bien meilleur early mid game. Donc c'est aussi un autre chose plus agressif. Puis ça a du lock, ça apporte du contrôle, ouais, ça voilà. Apporte de la sécurisation d'objectifs. Très très complet Kalista actuellement. Et faut dire que Piglet est vraiment excellent sur les carrières des auto-attaques. Ouais. Par rapport au caster, c'est vrai que Kalista c'est un pick qui lui va quand même relativement bien. Puis Caitlyn aussi, c'est vrai. Ça va plus marcher, mais le problème de Caitlyn actuellement c'est que le mid game est quand même vraiment dur. Même avec une Janna qui stéroïde derrière, contre une grosse frontline ça peut poser des problèmes. Et on va se réserver pour la Team Liquid en last pick le pick de Phoenix. On garde tout caché pour cette mid lane. Ouais, alors Liquid qui a une compo qui a quand même pas mal d'engage, donc c'est à voir si les Energy veulent jouer le peel ou l'engage avec la. Voilà, donc ça dépendait du pick de la mid lane s'ils prenaient Lissandra ou Azir. Donc ce sera Lissandra pour les Energy. Donc c'est les Energy qui vont essayer d'aller chercher les Liquid. A priori, du coup, on va voir un pick. Azir, mais ça pourrait, je verrais bien une Karma mid aussi sur Phoenix éventuellement pour contrer la compo d'énergie avec beaucoup d'AOE et d'engage. Alors, grosse composition de teamfight hein, tout de même.
Ce sera Azir a priori. Azir me semblerait logique. Alors il va falloir une purge hein, pour Phoenix qui l'a déjà préparé d'ailleurs. Bon, le match-up contre Lissandra, normalement il devrait être vraiment dans sa zone de confort. Le génie coréen. En face de lane, ça va vraiment. Après, on a pu voir notamment hier hein, avec les Azir qui étaient complètement lock sur la mid lane pendant que la Lissandra, pardon, la Lissandra de Febiven en l'occurrence, avait fait le café sur tout le reste de la map. Donc il faut être vigilant du côté de Phoenix, anticiper les décalages, surtout que ça se joue au TP, la Lissandra, et ça force la purge, tu l'as dit, du côté de Azir. Ah, on pourra avoir une position de la 3-1 très très intéressante pour l'NRG, qui est clairement un avantage au niveau des summoners. Et c'est une composition triple menace hein, qui nous propose là-dessus. Alors, quadruple même, hein, parce que dans la jungle, c'est quasiment un carré. Hein. Alors, justement, moi, pour moi, la triple menace, c'est Sivir, Lissandra et le Graves. Ouais. Et j'allais dire justement, attention à l'utilisation d'Impact, puisqu'il y a plusieurs builds possibles sur Gnar, et notamment le combo Maillet-Gelé Black Cleaver, qui est excellent contre Maokai et qui pourrait en faire une quatrième menace. Ouais. Effectivement, si on choisit de partir sur le build un peu split push pour le Gnar, ça peut être très intéressant. Surtout contre un Maokai, c'est généralement comme ça qu'on le joue. Le principe, c'est qu'on essaie de lock complètement le Maokai sur sa top lane pour l'empêcher de téléporter et le bloquer dans un match-up qu'il ne peut pas gagner contre un Gnar build split push. Et du coup, la force de Maokai, c'est de pouvoir décaler, de pouvoir faire des téléports, des flankings. S'il est sous sa T1 et qu'il ne peut rien faire, bah, peut-être que c'est ce qu'essaient de faire les Liquid là-dessus. On va voir. On va voir en tout cas des bien belles drafts des deux côtés. Et cette fois-ci, c'est NRG hein, qui a la prime à l'engage, j'ai envie de dire, avec cette grosse composition d'équipe, pressing early mid-game et très axé teamfight, contre des Team Liquid qui jouent plutôt sur la protection de carry, qui va jouer vraiment sur une évolution à 5, avec des lanes qui sont fortes, mais qui ne sont pas dominatrices comme ça l'était sur la partie précédente. Non, clairement, le gros problème là, pour les Liquid, ça va être cette top lane. C'est-à-dire qu'ils ont, une compo normalement qui est assez dominante en phase de lane. C'est-à-dire que si, Kalista, Janna, ça prend vraiment le dessus sur une Sylvie Alistar. Du côté de la mid lane, en 1v1 pur, Azir prend normalement l'avantage en early game sur une Lissandra. Mais c'est vraiment sur la top lane que ça peut poser problème. Donc on va voir si les Liquid vont s'en sortir là-dessus. On va voir ça effectivement. Alors attention au niveau hein, d'énergie qui s'était fait avoir déjà. On évolue paquet pour les Team Liquid. Et on essaie de prendre l'information du côté de Tardosh. Alors swap ou pas swap? Ça va être très important le rôle de Moon dans cette partie parce que les NRG vont vraiment essayer de créer le maximum d'engage avec les téléports qu'ils ont à disposition donc sur Lissandra et sur Gnar. Donc on va avoir beaucoup de flanking. Et pour pouvoir avoir du flanking, il faut avoir de la vision en profondeur sur la map, pas rester dans son camp. Et ça va être à Moon a priori et Kangquan aussi. On va voir s'il va roam avec son jungle. Alors, on va préparer les saplings du côté de l'Ourlo. Et on va swap hein, du côté Team Liquid, effectivement. Piglet et Matt qui vont évoluer en solo au top. Alors c'est vrai que le 2v2 reste à leur avantage, mais comme tu l'as dit, quand tu joues Maokai, t'as pas envie de face 5 Gnar. Exactement, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir un swap, enfin c'est pas étonnant dans le sens où c'est pour éviter le match-up Maokai-Gnar, mais Kalista Janna c'est tellement fort normalement, mais du coup là on va préférer favoriser le top laner que la duo lane côté Liquid. Et à noter hein, ce petit starter sapling qui va permettre à Phoenix de récupérer un petit supplément de gold, mais surtout d'XP par rapport à Gambamon. Ça lui permet de prendre le niveau 2 très très tôt sur la phase de lane et mettre du rythme. Sachant que Lissandra, c'est pas un mauvais personnage en lane, mais contre un Azir, c'est un véritable déficit de range et un déficit de dégâts sur le temps. Donc attention à pas se faire outpush du côté de Gambamon. Exactement, c'est pour ça qu'Azir, a priori en 1v1, domine Lissandra, c'est qu'il a beaucoup plus de portée et peut mettre du poke. Après, bon, Lissandra a vraiment d'autres atouts, notamment dans le roaming. C'est ce que nous avait montré Febiven pendant les quarts de finale EU. Et bon, Azir peut aussi remporter son... C'est vraiment un match-up totalement ouvert. Hein. Ça dépend vraiment du style de jeu des joueurs. Ouais, clairement. Et attention notamment à la capacité de roaming de Gangbaimom. On en a fait l'éloge pendant le pré-show. Savoir que Gangbaimom, c'est un joueur qui excelle dans le décalage, là où Phoenix excelle dans la phase de lane. Et Lissandra, par rapport à Orianna, reste un pick qui peut vraiment avoir un gros impact en cross-map, à la fois avec son TP, mais également avec sa capacité de décal avec sa griffe. Donc attention au niveau du contrôle de la vision, au niveau de la mid lane pour les Team Liquid, à ne pas se faire prendre de vitesse. Ouais, on voit déjà hein, la race de Phoenix sur Gangbaimom. Après, il a dû utiliser beaucoup de mana là, dans ce premier push, mais là, ça va être compliqué pour Gambamum de prendre tout l'élastique sous tour. Il va forcément en perdre un petit peu. Ouais, malgré le passif de Lissandra, c'est compliqué au niveau du mana, il doit archi spam. Et Phoenix qui va refaire avancer avec deux sbires sous tour, c'est très très bien fait ce qu'il nous propose. Alors attention, il n'y a pas de vision, mais voilà.
Au niveau de la botlane, NRG qui vont pouvoir récupérer 7-1 sur le timing 3-20, pareil en cross map. Pour l'instant, les deux équipes sont dans les temps. Il n'y a pas de lane qui pourrait se faire freeze. Ah, quoi que si, au niveau du bot, alors attention. Là, je suis curieux de voir comment va réagir Team Liquid, parce qu'il y a un potentiel freeze à faire au niveau de cette botlane. Ouais, et là, ce que font justement les Liquid, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils ont vu que Impact avait push la lane après avoir pris la tour, donc il n'y aura pas de freeze côté énergie. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient le top laner, ils ne basculent pas leur bot lane. Du coup, ça va permettre à Lourlo de freeze très très près de sa tour, et du coup, très loin de la tour d'énergie. Donc, Impact va être un petit peu en difficulté s'il veut déloger ce freeze. Donc, peut-être qu'on va voir justement Dardoche arriver assez rapidement sur la bot lane après pour soutenir son top laner. Ouais, effectivement, Dardoche pour l'instant qui évolue topside. Qui a récupéré son Ren niveau 4 pour Solicine. Il va être temps pour lui de peser dans les débats. Ouh, la fanbase qui parle très très fort, la Team Liquid qui sont donnés largement gagnants. Ouais. Et alors là, on le voit au niveau d'avancée de cette vague de sbires, Team Liquid pourrait potentiellement freeze deux lanes en même temps. Ouais, alors c'est donc, du coup c'est sur la top lane que va être Dardoche. Donc quand même attention à la bot lane, mais effectivement les Liquid qui sont vraiment très bien dans ce lane swap, d'autant plus que c'est vraiment gratter. Pour la forme. Mais ouais, d'autant plus que créer un lane swap, du coup, ça permet un match-up 1v1 sur la mid lane pendant assez longtemps, vu que les junglers sont occupés à aider les phases de lane swap. Et attention, là, l'arrivée de Dardoche, l'Exos qui passe, le flash out. Attention, Valo de Link qui est sur Conquan, l'arrivée de Moon dans la mêlée. Le TP derrière, l'énergie qui veut tenter la contre-attaque, le flash out. Impact qui va arriver bientôt sur Timing Megainer, l'arrivée de Lourlo également, le Q-spell, flash out. Le First Blood pour Lourlo, et ça va disengage massivement côté Team Liquid. Il y a pas. Si, il y a eu le TP de Gangbang Mom. Il y a eu le TP. Le TP mid, je pense. Ouais, il a du TP mid, je pense, effectivement. Il y a eu le téléport des deux top laners là-dessus. Mais malheureusement, pour Impact, il s'est fait accueillir directement par Dardoche. Oh, lourd, et ça continue. Oh là là là. C'est déjà catastrophique. Énergé, le flashing de la part de Matt, de Q-spell. Il n'y a plus rien sur Altec. Hein. Dardoche, Altec, crucifié, double kill. Ouais, et Dardoche qui n'a pas le temps. Il a faim, il n'y avait pas de flash, plus de heal non plus sur Altec. Et du coup, on en profite, c'est catastrophique pour l'énergie. Là, déjà qu'en plus, ils se font maltraiter sur la mid lane. Et maintenant, là, c'est toute l'équipe qui prend les devants chez les Liquid. On va revoir l'action. Très très bon engage à part de la duo lane et Team Liquid. Moon qui arrive sur le timing, hein. Le problème c'est qu'il y a trop de points de vie qui ont été grattés. Ouais, et puis regardez là, là l'arrivée de Impact qui directement va prendre beaucoup de dégâts. Il se fait toucher par le Q de Dardoche qui peut follow up derrière, et c'est Lourlo avec le flash in qui prend le kill. Et on est vraiment grid du côté énergie. Ouais, clairement, la Moon qui fait l'erreur après. Hein. T'as pas le droit de t'avancer sans checker ce buisson. Et là forcément, mais c'est la vengeance du Tréant. C'est le beau à Bob centenaire qui fait la différence, et derrière bon, Dardoche qui se fait plaisir sur les Q-spells. Ouais. Disons le bon point pour NRJ, c'est que le téléport a été forcé sur Lourlo au moment où il était en train de récupérer une grosse vague de farm botlane. Donc là, ça repouche dans l'autre sens. Il va avoir perdu du farm, d'ailleurs on le voit, hein. Il a 15 farms d'avance Impact. Donc c'est un peu l'espoir des NRJ, essayer de faire snowball Impact. Malheureusement, il y a déjà un kill et deux assists sur le Maokai de Lourlo. Ça commence à faire pas mal, effectivement. Et on a Alicine à 2-0-1 qui va récupérer son niveau 6 très très tôt, avant le timing 8 minutes de jeu dans la game, normalement. Et qui pourrait mettre du rythme, éventuellement, dans la mesure où, écoute, il n'y a plus de summoner pour Altec, il reste un flash sur Concon, qui est toujours niveau 3, il n'y a plus de summoner sur Impact. Donc autant vous dire que Dardoche est un véritable boulevard pour arriver à snowball cette game. Ouais, attention, on a peut-être un dive sur Lourlo. On a ramené du monde du côté énergie, l'ulti qui est dodge. Ah non, ok, d'accord. Tant pis. Et du coup, le kill récupéré par Moon. Donc ça n'a pas cancel l'animation de l'ulti. C'était dommage, c'était vraiment bien, bien timé de la part de Lourlo là, qui va tomber. Mais par contre, en cross map, regardez Phoenix qui fait le taf au niveau de la mid-lane, mais au niveau du bot également. L'arrivée de Pigdead qui met la pression, et surtout Dardoche avec son niveau 5. Ouais, parce que là, du coup, ils insistent sur Lourlo, mais Lourlo en fait, il est déjà bien dans sa game. Ils ont quasiment déjà perdu la partie entre les deux top laners, enfin la partie des top laners. Du coup, c'est les Liquid qui se focus sur la bot lane, Piglet qui est déjà très en avance. Lourlo qui voudrait, non pardon, Dardoche qui voudrait retourner. Ils peuvent rien faire, l'énergie. Moon est loin, une petite pink là, il a T1 qui est toujours là, ils se sont fait dîner une énorme vague de sbires. Attention, c'est parti, Dardoche. Le spell shield, la trompe qui va passer derrière Wartrick pour gagner la distance, un maximum. Piglet qui voudrait s'avancer, accompagné de Matt, un deuxième Q-spell qui va connecter. Et Phoenix qui fait le décalage. Attention, Phoenix qui pourrait nous claquer une grosse partie sur Impérial sous tour. Ouais, Piglet qui a plus beaucoup de mana là, donc ça commence à être un petit peu plus difficile pour les Liquid de continuer sur ce push. Mais la Phoenix qui vient en soutien, il n'y a pas encore de téléport du côté de Gang by Mom. Il y a du wave clear. Il y a du wave clear, Gang by Mom a fait le décalage à pied, et c'est une très très bonne phase de jeu que nous propose Team Liquid là-dessus, puisqu'il récupère la T1, il deny
je dirais, une bonne vague de sbires sur la Mieltech. Regardez au niveau du farming, ça se ressent. Piglet a le double de farm par rapport à son opposant. Ouais, c'est, ils ont toujours un coup de retard pour l'instant, l'énergie. D'abord, ils se font dominer sur la top lane. Ensuite, ils essaient de répliquer en insistant sur l'Orlo. Pendant que les liquides enfoncent le clou en détruisant complètement la botlane d'énergie. Là, l'écart en farm est bien trop important. Ils ne pourront plus jamais 2v2 avant, en tout cas pendant la phase de lane. Très compliqué pour l'énergie qui souffre aussi sur la mid lane. Ouais, il souffre, il y a le feu un petit peu partout dans la maison énergée qui risque de se faire souffler par le bon Phoenix là qui monte en puissance avec son dardeur déjà. 10-16 d'avance, tu l'as dit. Et il met du rythme hein, sur le bon momentum. Alors je suis curieux de voir l'état de la T1 mid d'énergie parce qu'on voit qu'il met beaucoup de pression avec son blue buff là. Alors, puis c'est que le blue buff ça va être infâme pour Gang by Mom. Il va vraiment pouvoir récupérer que les farms sous tour. Alors du coup, les décalages de Gang by Mom sont a priori à oublier, en tout cas dans un futur proche. Il faudrait que Moon réussisse à faire un petit tour sur cette mid lane, mais le problème c'est que ces deux autres lanes latérales sont en danger. Ah, c'est dur, il y a déjà deux cagoles de décalage entre les deux équipes. On a le blue buff à Gang by Mom. Moon, il est présent à chaque fois hein, sur chacune des escarmouches, il était là à l'heure. Le problème c'est qu'au niveau du 2v2, il y a tellement de retard sur le duo Altec Conk One que ça suffit pas malheureusement. Ouais, 25 farms à 9 minutes, c'est catastrophique. Là, les liquides continuent leur push, ils sont complètement free. Hein. Ils peuvent s'avancer au-delà de leur tour. En plus, il y a de la vision qui a été posée. On voit une pink dans la river d'Ardoche qui va arriver sur la top lane. Il y a le 6. Donc, alors, faire très attention là, parce que là, les énergies sont à 3. Les liquides ne sont que 2. Et regarde, d'Ardoche qui est encore présent au niveau de la top lane pour anticiper le dive sur la pink avec le niveau 6. Alors attention sur le kick à comprendre qu'il allait prendre l'information derrière le 1v entre Piglet et Impact, le Megagnar qui va pas tarder à proc. Il y a l'arrivée derrière de Gang by Mom pour clore les débats et oh, le flash out les frais. Attention, il faut jouer le caillou qui va toucher chez Milo Chebou et Conquan qui se fait prendre la partie par le duo du Tréant et du moine aveugle Conquan qui est sacrifié. Ils sont que deux en plus hein, les liquides sur cette partie de la carte là avec Fernando. Regarde encore d'Ardoche qui repart au re-engage Altec qui va devoir disengage. C'est catastrophique. Les Gang by Mom qui n'a pas pris d'assist sur son move sur la mid lane. Pendant que Phoenix pouvait mettre de la pression mid lane. Et là, on a vu le 2v3 au départ du côté Liquid sur la top lane qui résulte pour un kill pour les Liquid après l'arrivée de Matt. Compliqué hein, pour l'énergie. Ils font vraiment quasiment tous les moves avec quelques minutes de retard. On va revoir l'action au niveau du bot. Et c'est pas mal ce qu'il fait Piglet en fait parce qu'il mobilise beaucoup d'attention. Ouais, puis regardez. Certes, il flash, c'est peut-être pas indispensable. Ouais, mais au moins Gang by Mom perd complètement son temps. C'est-à-dire pas d'assist, rien du tout. Ouais. Et du coup, ça le met encore plus derrière. Et là, derrière, ça chase sur un support. Il n'y a pas de kill à récupérer de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, Phoenix, bien sûr, a récupéré la T1 au niveau de la mid lane. Et plus 20 CS pour ce Azir qui vient de compléter ça dans deux Nashor. À 11 minutes, ça va, hein, pas de problème. Il y a 3,5k gold. On repart sur le pattern de la game précédente là. Ça, en plus Phoenix c'est vraiment le midlaner qui ne fait que farm. C'est-à-dire que c'est quand même un des seuls midlaners qui a outfarm Froggen dans un match où les deux midlaners n'avaient fait que farm. Là on voit hein, il a plus de 10 CS par minute déjà alors que c'est. Honnêtement les 10 CS par minute les atteindre très rapidement, très tôt dans la partie, c'est compliqué vu qu'on a quelques minutes de battement au début de la partie. Donc là il est vraiment sur de bons rails. Il prend d'ailleurs quasiment tout le temps les Raptors, hein, Phoenix. Ouais, bah ça se clean super vite avec Azir en fait. Hein, avec la mécanique des soldats qui auto-attaquent, ça offre énormément de dégâts sur le temps. Et bien tout simplement en termes de farm, ça fait le boulot. Et on voit l'écart d'itémisation entre Gang by Mom et Phoenix. Il y a un Catalyst Protecteur, c'est tout. Il y a un double Doran, c'est très très léger. Il n'y a pas plus early game comme build pour arriver à tenir sa lane. Et pourtant, Gang by Mom, qui culmine à 35% des dégâts de sa team, premier au classement des dégâts des LCS NA, bien écoute, est complètement dominé. Ouais, donc Bamam là qui a beaucoup de mal. Et là, on a vu Moon qui tentait de venir sur la mid lane, mais que faire contre cet Azir avec une purge? Certes, on peut le lock avec Gang by Mom, mais derrière, c'est purge et la virgule pour s'en aller, voire même un flash. Hein. Tout est disponible pour le mid laner. Les Liquid qui se regroupent, qui prennent le héros de la faille à 12 minutes. Ok, héros de la faille. Alors, timing push au niveau de la top lane. On part à Lidvay, l'Orlo en front lane. Il y a une pink à virer. Ah non, ils n'ont pas la checker malheureusement. Le sapling en couverture. Et là, Altec, il va falloir être des push. C'est très efficace. En plus, Dardoche qui va aller smiter le loup. Phoenix qui fait la transition. Ouais, c'est excellent de pouvoir prendre le smite sur ce camp dans la jungle adverse. Là, les énergies qui sont vraiment privées de farm. Hein. On les accumule sous leur tour directement à 13 minutes de jeu. Ah, il y a du wave clear quand même. Hein. Ouais. Il y a pas mal de wave clear. Un tour qui se fait gratter, mais c'est très très léger. Et pendant ce temps-là, en cross map, Impact fait avancer. Ça va être deux sbires. Et il part sur Maillage les first items, j'ai l'impression. Impact, donc un build de Gnar un peu carry. Il y a 40 creeps d'avance tout de même sur l'Orlo. Il faut le noter.
Ouais, c'est vraiment l'espoir d'Energy, c'est qu'Impact réussisse à faire tellement la différence en split push que les Team Liquid doivent détacher un autre joueur pour aller aider Lourlo et du coup perdre de la pression sur le reste de la map. Pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. On va voir hein, si le match-up évolue, l'arrivée de Impact sur la mid lane. Et voilà, Phoenix part tranquillement avec ses soldats. C'est vraiment très très facile d'escape les gants maintenant avec Azir. Disengage, pas de soucis. Il sustain avec des potions, il y a une ping dans le stuff au passage. On semble se diriger vers un contest du dragon pour les Team Liquid, puisque l'objectif repop dans 40 secondes. On a donc une ping pour Azir. Déjà, deux de poser au niveau du bot side. Attention, Dardoche qui a envie de mettre un petit peu de rythme. Ouais, Dardoche qu'on n'a pas encore vu faire des prouesses avec son Lee Sin sur cette partie. Pourtant, Dieu sait qu'il en est capable. Hein. On va voir s'il va nous faire réserver quelques petits insects ou autre kick magique. Et on récupère encore du farm. Hein. Dardoche qui vraiment nettoie toute la jungle de Moon. Ah, il est fort du héros de la faille. Là, pour l'instant, il est sur son 2-0-2. Il craint pas vraiment le Graves en 1v1. Ouais, deux niveaux d'avance, ça commence à faire. Et le dragon qui pop dans 10 secondes. Dardoche qui a fait vraiment main basse sur la jungle bot side. Ordonne un peu de map control, Moon en cross map qui va récupérer son bleu. Bon, Moon, je dirais pas qu'il est absent, mais en tout cas il est inefficace pour le moment dans ce début de partie. Ouais, effectivement, mais bon, avec un grève c'est un peu compliqué, ça va pas de cesser. Donc au niveau des ganks, pour retourner la situation sur une lane qui est déjà en train de perdre, c'est un petit peu difficile. Généralement on cherche à farmer beaucoup dans la jungle, mais là Dardoche qui joue très très bien le coup en se focusant avant tout sur la prise de camp adverse pour vraiment affamer le jungle d'énergie qui peut du coup pas faire grand chose. Ah, Impact qui va essayer de récupérer la tour en solo. Ah, ils sont maillés gelés. Ah, ça va lui faire du bien. Moon qui va back up. On va chercher les golds certainement entre les deux joueurs. Et ça va permettre au NRG et eSport de pouvoir respirer un petit peu. Mais regarde en cross map au niveau de la mid lane. C'est la T2 qui se fait prendre à partie. Gang by Moon ne peut pas défendre seul malheureusement. Kongwon a un véritable dilemme. Est-ce qu'il doit aider le mid? Est-ce qu'il doit aider le bot? Est-ce qu'on piglet en même temps met de la pression sur Altec? Ouais. Et avec deux niveaux d'avance, Altec ne peut rien faire malheureusement. Voilà, c'est cadeau pour Altec. Alors où est Dardoche? Dardoche est sur la mid lane. Il est, on l'a vu vraiment, pour le coup autant on n'a pas vu du tout Moon, autant Dardoche était sur toutes les actions. Maintenant qu'il a son 6, on va peut-être voir des gros kicks. Gangbamum là sur la mid. Alors au niveau du farm, il y a quasiment 40 farms de retard, c'est catastrophique pour le mid laner des Energy. Ouais, c'est un véritable échec hein, pour Gangbamum. Et la tour encore qui fait perdre du temps. Ça va tomber. Ça va tomber, à noter tout de même, attention à Lourlo qui va commencer à peiner dans son match-up. Impact qui pourrait peut-être voilà, justement permettre à son équipe de remonter un petit peu au niveau des golds. On a quand même 4K gold de l'écart, un peu plus même maintenant, on est qu'à 15 minutes de jeu. Il reste encore 2 T2 à récupérer. On a vu sur la game précédente qu'à 19 minutes de jeu, Team Liquid a fait main basse sur la première et la seconde ligne de défense de l'équipe adverse. Donc attention sur un gold rush. Ouais. Effectivement, on a 4K gold d'avance pour les Liquid. Après, les Liquid ont une compo qui scale très très bien aussi. Donc pas vraiment besoin non plus de presser les choses. Là, les énergies qui sont déjà vraiment, vraiment dans le dur là dans cette partie. Ouais, effectivement, on va récupérer le red buff. Moon, voilà, pas de problème, ça va être récupéré. Et on avance à 4 du côté de Team Liquid. Lourlo ouais. En cross map avec son TP qui est disponible. Ouais, attention quand même, la Liquid, il faudra peut-être qu'ils essaient d'accélérer un petit peu maintenant avant que Lourlo soit acculé sous sa tour. Oui. Sinon, ça va être un petit peu plus compliqué pour le téléport. Et la T2 bot qui va être clairement la cible hein, de Phoenix et ses compagnons. On va faire avancer la vague. Phoenix, les soldats des sables, un peu de poke sur Moon, c'est bien fait. La tour qui se fait gratter. Moon midlife. Moon qui est forcé à ulti. Dardoche qui a touché Q-spell. Gang by Mom qui fait peser la menace de sa griffe. Mais rien n'y fait, cette T2 prend cher, Duke. Ouais. C'est très très difficile de gérer le poke de Phoenix à ce moment-là. On a vu un hein, Moon midlife dès le début de la phase de siège. Ils n'ont pas vraiment de réponse là, à ce moment-là, les énergies face, dans la phase de siège. C'est-à-dire que leur seule réponse, c'est l'engage complètement all-in. Et c'est ce qu'ils essaient de faire maintenant. Sur Dardoche, je te dis engage de Phoenix, l'ulti la Kalista. Sur Matt, le peel est excellent. Lourlo qui va TP, Kongkwon qui a pris Bagdad, Kongkwon qui doit reculer. Et la T2 qui devrait tomber sur cette phase de jeu. Ouais, c'est excellent ce qui vient de se passer pour les Liquid. C'est-à-dire qu'ils ont forcé le téléport sans vraiment prendre le all-in. Hein. J'allais le dire, les énergies qui ont besoin de all-in. All-in complètement loupé là-dessus. Mais du coup, les deux top laners qui sont forcés de venir. Et ça, c'est à l'avantage des Liquid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le match-up se reset entre les deux top laners. Ils vont pouvoir se back juste après. Et du coup, Impact, il ne peut pas avoir de l'impact dans la partie. Ouais, effectivement. Effectivement, c'est compliqué pour lui. Hein, parce qu'il fait son boulot, il fait ce qu'on lui demande, il a TP quand il fallait, il push, il met 50 creeps à son adversaire, mais c'est pas suffisant.
problème, c'est qu'il y a 30 creeps de retard au niveau de la bot lane, qu'il y a 40 creeps toujours de retard au niveau du mid, et que surtout au niveau du push des bâtiments, il y a 5 tours à 2. Et ça, en termes de gold, ça fait très très mal, puisque bientôt 6K gold de séparer les deux équipes. Ouais, c'est un petit trick là de la part des Liquid, où on utilise la range des soldats de Phoenix pour faire le héros de la faille en étant complètement safe. Donc pas mal comme idée. Ça va, c'est pas fort à dire. Hein. Non, ça va. T'as pas trop de, ça a pas trop de moyens de DPS de loin, d'avoir du DPS, du burst, du CC et de l'escape dans le même champion. Personnage vraiment complet. Le Poppy de la mid lane. Ça, enfin, je trouve le perso vraiment intéressant. Ah, non, bien sûr. Après, c'est dommage de pouvoir faire ce genre de choses. C'est pareil, déwarder à 800 de range, c'est quand même une mécanique qui est un peu forte et que Riot pourrait peut-être retirer sans pour autant nuire au gameplay d'Azir. Moi, ce que je trouve un petit peu trop fort maintenant, c'est depuis les changements de la virgule, je trouve que c'est vraiment trop facile de s'escape avec un Azir. Et du coup, ça permet vraiment des erreurs de positionnement qui avant étaient impossibles. Oui. Avec un champion qui est... Donc en fait, c'est ça la maîtrise d'un Azir, c'est de réussir à mettre son DPS en étant bien positionné. Maintenant, bah, il suffit d'appuyer sur deux boutons pour se retrouver à l'opposé du fight, littéralement. Donc ça, c'est un peu vraiment la grosse force, selon moi, d'Azir en ce moment. Ouais, clairement, et on repasse sur une phase de siège du côté de Team Liquid qui veulent absolument récupérer cette T2 top. On est à 19 minutes de jeu, le Nashor devrait pas tarder à pop. Alors, c'est Gang My Mom qui occupe la botlane actuellement pour essayer de mettre un peu de pression sur l'Urlo. Alors, c'est vrai que l'Urlo est full armure, il n'y a pas un pet de résistance magique actuellement dans son itemisation. Et ça, contre une Lissandra, même en retard, ça reste gênant. Ouais, après, il y a un peu de PV, la Lissandra, c'est vrai qu'elle est assez en retard. Après, faut relativiser dans le sens où elle est quand même à 176 de farm à 19 minutes 30, ça reste bien, c'est juste qu'elle est très en retard sur le Azir. Donc il y a quand même des bons dégâts sur Gang My Mom à ce moment-là de la partie, il faut pas non plus le compter hors de la game. Mais effectivement, ça peut, et du coup il peut faire des gros dégâts sur l'Urlo, on va voir si le tanking de l'Urlo va être mis à l'épreuve. On va voir ça, alors ça impacte un Mega Gnar là, niveau 11, et pas de Black Cleaver en deuxième item, Manteau du Spectre en préparation. C'est dire à quel point est-ce que Phoenix fait peur. Et Phoenix, c'est ce qui se permet de s'avancer très très haut avec son passif. Faire la rotation bot pour aller filer un coup de main à l'Urlo, qui avance un petit peu plus cette vague de sbire. Ouais, et puis faut aussi se dire que l'Urlo, a priori, il va pas subir les dégâts de Lissandra. C'est-à-dire que l'énergie, s'ils veulent gagner un fight, il faut absolument faire une engage parfaite sur les carries avec cette Lissandra. Donc a priori, ça devrait pas taper sur du Maokai. Et le Maokai, il peut se contenter de build de l'armor pour gérer la backline d'énergie avec un Graves, avec une Sivir et éventuellement avec un Gnar selon sa forme à ce moment du fight. Donc c'est assez intelligent de partir sur du full armure. Bon, il y a le bot de Rez Imagine, hein, mais ça compte pas vraiment. Clairement, très très clairement, et le dragon qui va être engagé, le troisième pour les Team Liquid. En 20 minutes de jeu, Team Liquid, c'est 5 tours, 3 Drake, 2 héros de la faille. Ouais, c'est du solide, hein, les Liquid dans ce BO. Stratégiquement, c'est très très bien huilé. L'énergie qui sont toujours aussi approximatifs, hein, dans les phases de rotation. C'est un peu le problème d'énergie sur ce split. Il y a du talent quand même dans cette équipe. Ils ont vraiment eu du mal à trouver leur rythme. Ouais, c'est un petit peu long, mais voilà, maintenant le boulot est fait. Et écoute, on avance. Phoenix qui s'amuse, qui se balade là. Petit move tranquillement, c'est dire à quel point ce qu'il maîtrise le champion. Et on va attendre patiemment que Team Liquid commence à se concentrer sur le Nashor. Alors attention de ne pas faire la même erreur que sur la game d'avant. A savoir le style, quand t'as une Kalista, quand t'as un Azir, tu n'as pas le droit de te permettre ce genre de choses. Ouais. Bon, ça n'avait pas vraiment porté à conséquence sur la partie précédente, mais effectivement, c'est peut-être une des seules conditions de défaite qu'on peut voir là pour les Liquid pour l'instant. Alors, Dardosh, qui était très en vue pendant l'early game, notamment sur le move top lane, mais il n'avait pas encore son kick. On n'a toujours pas vu à l'action depuis, mais bon, la game qui s'est vraiment posée, hein, l'énergie qui sont conscients de leur retard, du coup qui jouent très très safe. Après, de jouer aussi safe, le problème c'est qu'on accroît le retard progressivement, c'est-à-dire que l'équipe en face du coup peut prendre la domination de la jungle et donc proportionnellement un petit peu plus de farm. Mais là ça va, hein, l'énergie qui font quand même bien le dos rond depuis quelques minutes. La game qui s'est bien calmée quand même, hein. On est passé sur des phases de jeu très très agressives. Là c'est un petit peu plus inattention sur le TP. Quoique il pack le Mega Gnar qui flush la partie sur Imperial. Phoenix pris à partie. Phoenix qui se fait des pop par Gang By Mom. Derrière l'arrivée de l'Urlo dans la mêlée qui va lock impact. Moon bien positionné. Altec de même. Et c'est du 1 pour 0 sur cette phase de jeu. Peut-être il engage là-dessus. Dardosh qui a claqué carrément son Dardosh. Dardosh le kick sur 3 personnes. Moon qui se fait ramener. Impact qui saute dans le tas. Piglet qui se fait lock. Dardosh qui va récupérer le kill en solo, un double kill pour celui-ci, le triple peut-être sur Pourquoi. Il est full AD, attention à Dardosh, triple kill. Le triple, attention, le triple kill, il reste plus qu'une patte, non, ça ne passera pas. Ouais, il est full AD là, Dardosh, après il veut tenter des moves un peu sympas. On l'a vu
vraiment rôder autour du teamfight, faire un kick à pas mal, qui a derrière touché, il me semble, Altec sur le rebond. Je ne sais plus qui s'est fait avoir, mais derrière, l'engage était vraiment tellement bien du côté énergie. On a réussi à avoir le Azir de Phoenix malgré les sorts d'invocateur. Le très très bon flash de Impact pour permettre de ramener un petit peu Phoenix. On va revoir ça. On va revoir le fight, ouais. Effectivement, Impact mécaniquement, là, c'est parfait. Hein. Ça, il faut le sortir. Et bon follow-up de la part de Gongmen. Mais là, regardez Dardoche qui prend son temps. Ouais, il qui se met sur le côté. Il est pas très résistant. Ouais, il a une New Mew en fait après son Warrior. Et là, il se dit ok, les gars, je touche un Q-spell. Ah, c'est Moon, je crois qu'il va se faire. Il va toucher sur Moon, voilà. Là, il se repositionne. Kick d'Impact avec le flash. Ouais. Ah, il touche pas Altec, c'est dommage. C'était bien Moon. C'était, effectivement, il aurait pu avoir Altec, c'était pas loin. Derrière, il a clean up, mais il restait plus grand chose. Surtout que Pilate s'était fait exhaust très rapidement et du coup, il avait pas de peel parce que Lee Sin n'est pas là pour le défendre et plutôt utilisé en tant qu'assassin dans cette configuration. Et du coup, bah, c'est triple kill pour Dardoche. Oh là, ça fight encore. L'arrivée de Gambelmon dans la mêlée, les deux carry des Team Liquid qui sont dans le dur. Pilate qui tient dans le Pilate qui est tombé déjà malheureusement. Triple et la kill de Dardoche, encore une triple fois. Triple kill. Quadra kill. Ah, il va peut-être prendre le pentakill si Impact se laisse descendre, mais il n'y a plus beaucoup de dégâts quand même chez Liquid. Oh là là, Lutijana pourtant pour Impact qui se bat comme un lion. Ce Gnar qui propose de bons dégâts avec ce maillot gelé qui va coller au mur. Dardoche, non, le shutdown. Et Lourlo qui va tenter de venger son coéquipier. Impact qui tient excessivement bien. Et qui va tomber sous les coups de Matt. Ouais, comme quoi c'est Matt qui finit par prendre le kill. Mais là Dardoche c'est en train de se transformer en Lee Sin Show cette partie hein. Il est parti full AD, il part sur un Tiamat. Maintenant c'est vraiment un beat solo queue. Mais pourquoi pas après tout quand on est autant en avance avec un Lee Sin, plutôt que de partir sur de la tankiness, on va chercher vraiment à clore la partie à soi tout seul. Pour l'instant ça marche pas mal. Le problème c'est que les carries des Liquid sont vraiment exposés. Et s'ils sont trop instant comme ça en début de fight, ça pourrait être compliqué. Allez, il y a mis des respects en prison Dardoche là. Il met tout sur un Alistar, pas de soucis, ça va passer. Derrière, on se retourne. Il est très très précis mécaniquement. Ouais, c'est un assassin. C'est un Lee Sin assassin. C'est le Lee Sin full AD de Froggen. Pour ceux qui le suivaient il y a longtemps, il aimait bien jouer sa mid. Mais effectivement, c'est pas mal, hein. ça marche pas mal là, dans les fights. Le problème, c'est que les Liquid qui sont vraiment devant, ça reste des teamfights très serrés parce que les carries de Liquid ont quand même besoin de piles. Ils se font des pop en fait. Je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie, honnêtement, côté Liquid. C'est assez fun à voir. Ça marche pas mal pour Dardoche, mais là, il faut quand même sécuriser les carries. Phoenix et Piglet qui se font atomiser à chaque fight 0-2-4, 0-3-9. Ouais, ça commence à être un petit peu dur, mais en tout cas, ça fait le show. Et 6 cagoles d'avance pour les Team Liquid emmenés par un Dardoche stratosphérique. Qui a clairement martelé le visage de ses adversaires de ses Q-spells. Voilà, il est vraiment parti full dégâts. J'ai jamais vu ça en compétitif. Il part hydre ravageuse et derrière, il y a quoi? Il y a un Last Whisper en préparation. Il n'y a pas de respect du côté de Dardoche. Ouais, les Liquid là qui sont, je dirais pas all-in parce qu'ils ont quand même beaucoup d'avance, mais ils ont beaucoup de cette avance qui est entre les mains d'un Lee Sin full AD. Ça scale vraiment pas terrible hein, en late game, donc il faudrait essayer de clore rapidement cette partie quand même côté Liquid, même si derrière il y a un bon scaling du côté de Azir. Je trouve ça magnifique de voir un Lee Sin full AD en playoff, en quart de finale de playoff de LCSNA. Ouais. C'est en termes de bold. Au-dessus, moi je vois Insec qui sort un Philostick ou un Shaco, tu vois, mais il n'y a pas grand chose de plus. Il a fait attention, il a Dardoche qui pourrait être catch, il n'a pas beaucoup de résistance à Dardoche, il faut faire très très attention, il a utilisé son safeguard, le Q-spell qui bat derrière le flash de Lolo. Le Maokai, le Tréant, le Bohabob qui va tanker, qui va être face au flash out, l'arrivée de Gangbaimum qui se fait pile, Gangbaimum sous tombeau de glace et sous fatigue, le Q-spell de Dardoche qui ne passera pas. Les dégâts sont excellents, attention à la fontaine énergie qui va s'avancer. Piglet qui est bien positionné, Félix qui prendra un premier kill, Impact forcé au disengage, le kick de Dardoche qui va ramener au coin dans la mêlée, on avance un peu plus avec Q-spell, ça a passé sur Impact qui va se faire crucifier par Piglet et Altec pris à partie également sous les coups de Dardoche, Moon seul survivant qui va se faire rattraper par les soldats des sables. Ouais, les Liquid qui sont vraiment devant là, bon le... C'est honnêtement, Dardoche fait des très très belles choses, prend des kills, mais ça marche parce qu'ils sont devant quoi. Mais là sur ce fight, il reste un petit peu en périphérie parce qu'il a vu qu'il se faisait, qu'il pouvait vraiment prendre beaucoup de dégâts vu son itemisation. Il finit par faire son kick sur Kwan qui était un peu anecdotique. Heureusement que les liquides étaient bien en place derrière et que l'engage de Gangbamum n'avait vraiment pas fait mouche. Et derrière, ils ont fait parler leur avance en stuff avec tellement de dégâts qu'ils ont pu retourner ce fight sans trop de problèmes. Et maintenant, on va peut-être se diriger vers un quatrième dragon à 28 minutes et ça, c'est vraiment important. Ouais, ça commence à faire là. Les Team Liquid vraiment qui se baladent. On se cagole. D'écart, c'est alors on va revoir le fight justement. Ouais,
très très bon TP de la part de Lourlo. Ouais, Lourlo qui est déjà très très tanky. En fait, là, faut bien comprendre qu'on voit Matt en haut à droite, il y a Gang by Mom qui zone complètement le reste de l'équipe. Ouais. Et justement, j'en parlais tout à l'heure, l'itimisation de Lourlo, regardez, il a que des dégâts AD à tanker, donc son armure est vraiment vraiment bien rentabilisée. La Dardoche qui attend un petit peu en frontière du teamfight, la Liquid qui peut faire marcher leur DPS, ils ont une bonne concave. Le flash kick de Dardoche, bon. Il touche impact en fait, c'est ça qui est intéressant. Il touche impact, non, c'est un bon kick entre guillemets, c'est juste que le fight est quasiment terminé déjà. Ouais, ouais. Et bah, il y va vraiment dans un deuxième temps, dans un rôle d'assassin et de carry en même temps. Il fait vraiment excessivement mal. Il joue très très bien son Lee Sin full AD. Moi, je suis juste en train de dire que le concept en soi est vraiment pas optimal. Ah oui, et clairement c'est YOLO, hein. C'est très très YOLO qu'on se comprenne bien. Les Lee Sin full AD comme ça, on n'en voit jamais. Ah, à la limite, ouais. Le core build d'un Lee Sin en niveau pro, c'est tu fais un warrior, après tu fais full tank. Et si jamais le mec ose faire ne serait-ce qu'un début d'item offensif, après, tout le monde hurle au scandale. Là, clairement, Dardoche, il est en train de casser le game. Ouais, non, mais clairement, il est en train de faire une énorme game. J'attends de voir si. Enfin, j'espère pour les Liquid que ça va pas s'effondrer un petit peu plus tard dans la partie. Mais bon, pour l'instant, l'avance est tellement confortable. Ça fait 10k gold. Et on a. Alors, au niveau de l'optimisation des carries, ouais, on a quand même 3 gros items du côté de Phoenix. Donc, c'est bon, le DPS est en place. Et ça a d'ailleurs très très bien marché lors du dernier fight. Est-ce qu'il a pris des bottes de distorsion? Ouais, voilà, ça m'étonne pas. Ah, Dardoche qui a pris des bottes de distorsion parce que là il veut faire des beaux moves et il veut les flash. Est-ce qu'il ferait pas un Draktar derrière? Franchement, s'il fait un Draktar, c'est la carte essence du beau jeu pour moi. Je me convertis au Dardochisme. Je crée un petit mausolée à son effigie chez moi dans les locaux de gaming. Ok. C'est décidé. J'attends la photo. S'il fait un Draktar, je le fais. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça? Ouais, une Malmortus sinon. En fait, en vrai, je prends pas trop de risques parce qu'il y a de grandes chances qu'il fasse une Malmortus. Ouais, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. S'il fait un Draktar, c'est vrai que c'est le seigneur du beau jeu. Parce que les fights sont gagnés par les Liquid. Mais ce que je dis, c'est que les fights sont gagnés, entre guillemets, plus de manière un petit peu plus poussive qu'elles pourraient l'être si les Liquid jouaient, entre guillemets, purement méta. Et tant mieux d'ailleurs qu'ils fassent un peu le beau jeu. Mais là, s'il part sous Draktar, c'est vraiment qu'il a des balls en acier trempé. Hein. Clairement. Je m'attellerai à la conception de la statue que tu mettras dans ton salon. Ah, toi aussi. Très bien. Très, très bien. On tient un concept, les gars. On est bon. On va voir ça. Alors, je suis même pas sûr d'avoir vu sur des Z le Draktar en compétitif. Sur les Z, on le voit pas trop, non, mais on le voit sur des talons, sur des queens. Ouais. Queen, ça se fait pas mal. Ah, le problème du Draktar sur un Z, c'est que c'est un item qui se fait counter par les mêmes items qui counter déjà Z. Donc, oui. Finalement... C'est pas si utile, on pourrait se dire que c'est une énorme synergie, mais ça a trop de synergie en fin de compte. Ouais, c'est ça. Exactement, et du coup les Team Liquid qui vont passer à l'assaut des tours d'inhibiteurs au niveau du bot et de la top lane. Énergie qui sont actuellement en PLS, qui tentent de défendre tant bien que mal. Il y a le flash sur Dardoche, hein, avec ses bottes de distorsion. Oh, ça va faire mal. Pour l'instant, tous les kicks, ça a été accompagné d'un flash pour essayer de repositionner le kick et faire un kick qui va traverser l'équipe ennemie. On cherche pas vraiment l'insect. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, coucou Moon. Ah, disparition non. Solo killu de la part de Dardoche. Il y avait un Grace qui traînait par là. Ouais, il a pas été mis au courant, je crois, hein, Moon, des dégâts de Dardoche à ce moment-là de la partie. Et il en a fait les frais. Et du coup, on va diriger vers un inhibiteur. Et c'est vraiment difficile de gérer un Lee Sin maintenant avec autant d'AD. Ils ont tellement d'avance, les Liquid, qui réussissent à faire marcher le strat comme ça. Oh là 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 là. Oh là là, Lourlo qui tente le 1v1. Alors, si jamais vous voulez jouer en solo queue demain, bannez Lee Sin. Ouais. Parce que là, clairement, après ça, on va en voir. Et surtout dans votre team. Surtout dans votre team. Parce que là, c'est quand même un des meilleurs Lee Sin en région nord-américaine qui sort un truc comme ça. Mais évitez de vous prendre ça dans votre team, sinon ça va être insta lose. En tout cas, énorme game de Dardoche. Probablement un des MVP les plus faciles. Je suis pas sûr qu'il y ait des MVP sur les games, des playoffs, game par game, comme on peut voir en LCK. Si on était en LCK, ce serait un MVP. Mais limite, il aurait pris 200 points là-dessus pour une partie comme ça. Ah oui! Clairement, très très clairement, c'est vraiment bien joué de la part des Team Liquid qui sont en train de survoler ces playoffs là. Ils ne touchent plus le sol, ouais. Ils n'ont même plus besoin de ballon ni rien. Enfin, ils sont au-dessus, ouais, tout simplement, partout. Complètement au-dessus, et là ils ont vraiment oublié le respect en bas. Quoi. C'est-à-dire que non seulement on atomise l'énergie, mais en plus en leur mettant du Lee Sin full AD, quelque chose de jamais vu en LCS. J'attends le Renekton Zhonya de Darien. c'est à peu près de ce niveau-là quand même, hein, ce qu'on est en train de voir, parce que jamais on ne voit un Lee Sin qui part sur Yumu, Hydrovoras, enfin Ravageuse, je ne sais plus comment. Ravageuse, ouais. Ouais, Ravageuse, et que sait-ce qu'il aurait fait après. On ne saura jamais s'il a fait l'épée Vespérale. La statue de Dardoche ne sera pas créée chez Eli. Ce ne sera pas érigé, on verra ça en tout cas. Du coup,
Fin de cette Game 2, on va faire une petite pause d'une 5 minutes environ, on va enchaîner sur la Game 3, donc potentiellement la dernière game de ces playoffs pour ce soir, donc allez vous recharger en nourriture, en boisson et autres, et on vous dit à tout de suite. À tout de suite. The game against Echo Fox that would have decided if we were 1-3 or 0-4 was really important. Lorelo tries to go to the back line, but where's the team once again to follow? Just on the other side of the wall, Piglet doing what he can to deliver DPS from the outside, but Dardock falls just as fast. We just had three hips down, just like coming back from that. Fox was on Liquid's side, and Liquid pushes back with one swift punch. We did it! If we didn't come back from that, we would have crashed and burned. 이번 시즌은 그냥 뭔가 팀 게임을 하고 있다는 느낌이 들어서 그거 기분이 좋아요. Ouais, Piglet qui dit que l'équipe joue bah, que justement comme une équipe et pas comme une ensemble d'individualités, c'est vrai. Enfin, l'équipe Liquid, t'as l'impression que à part Immortals ou CLG, il y a personne qui peut les battre. Hein. Bah là pour l'instant les Liquid ils ont l'air tellement dominateurs sur ces derniers matchs et pas que ceux sur, contre Energy hein. Même la dernière semaine ils avaient l'air vraiment impressionnants. Ouais, c'est, c'est très difficile de connaître actuellement le vrai niveau de Liquid, quelle est leur limite, donc ça peut être vraiment sympa de voir ce qu'ils peuvent donner pendant ces playoffs. Là pour l'instant ils sont sur la route d'un 3-0 pur et simple sans ouais, contestation expéditif hein. Et ce qui est marrant c'est qu'on a eu 3-1-3-1 et ce soir on pourrait avoir 3-0-3-0. Les Liquid qui vraiment sont largement supérieurs au NRG sur tous les compartiments de jeu, et on voit par exemple Dardoche qui peut se permettre de jouer Lee Sin full agressif. Après Lee Sin full agressif, alors comment dire ça, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel, mais si ça fait partie des pics qui peuvent carry une game quoi qu'il advienne, tu vois. Ça te snowball tellement fort, t'arrives, tu te prends un Q-spell, tu meurs. Ouais. Donc, Là c'est ce que j'essayais de dire pendant le match, c'est-à-dire que certes, en fait, Dardoche, je n'étais pas en train de dire que Dardoche jouait mal, au contraire, il jouait vraiment très très bien. C'est juste que c'était vraiment pas un pic optimal qui marchait parce qu'ils étaient tellement devant et qu'il fallait faire snowball tous les kills qu'il avait pris à la suite. À bout d'un moment, quand c'est lui qui a tous les kills et que ni Kalista ni Azir ne les ont, il faut bien trouver un moyen de rentabiliser ça. Ils ont choisi cette stratégie qui finalement est assez all-in, ouais. Parce que ça scale pas bien, mais bon, ça marchait parce qu'ils étaient devant justement et ça a très bien marché avec la maîtrise technique de Dardoche, donc c'était cool de voir ça. Après on devrait pas le voir très souvent, à moins que Dardoche se mette à populariser les massacres collectifs comme ça, les génocides dont les énergies ont fait les frais là-dessus sur cette manche. Bah ouais, c'est un peu le truc, c'est que si jamais tu prends trop de kills avec Lee Sin et que tu pars très vite tanky, en fait tes kills partent en tankiness. Le problème c'est que Lee Sin, une fois qu'il a fait son combo, on a un autre sujet. Ok. I think it's a place for me to prove myself. I'd rather my team prove that we're the better team. I think I don't really care if I get the spotlight or if I don't. Like, if I'm like perceived to be like the worst player on the planet, but my team's winning, it doesn't really matter to me. C'est un peu bizarre d'entendre ça de la part d'un gars qui vient de sortir un full AD Lee Sin, ouais. Bot de distorsion, histoire d'être sûr d'avoir son flash au moment du fight pour pouvoir faire le meilleur kick flashé possible pour les highlights. Mais bon, tant mieux, il a raison hein, de dire ça. Ouais, non mais... Bon après, c'est toujours pareil entre ce que tu déclares et ce que tu fais. Il y a beaucoup de com hein, aussi maintenant dans l'e-sport qui est devenu quelque chose d'assez mature. Et peut-être dernière game de cette soirée, Team Liquid contre NRG. First pick pour Lorelo et first ban aussi. Non, du coup ça va être first pick pour... Si c'est ça, c'est first pick pour Lorelo. Et donc on a ban Nidalee, on devrait ban Nidalee, on a ban Sivir, on devrait ban Nidalee a priori côté NRG. Ouais. Pour le blue side, voilà c'est fait. Donc Lee Sin qui sera toujours open, on a vu que Dardoche le faisait marcher à la perfection. Et Graves, alors étonnant le ban Graves, alors peut-être que dans la première manche on avait eu un. Le Gragas qui peut être un flex pick maintenant sur la top lane. Je sais pas s'il y en avait pas un, non je crois pas. Je crois pas qu'il y en avait un, j'arrive plus à me souvenir. On a juste un peu des bans de la première manche. Ça allait tellement vite. Et alors du coup on counter avec Janna. Echo, donc a priori le match-up, on reprend le match-up de Echo top lane. On ne sait pas encore si ça va être Gragas top lane ou jungle. Donc les Liquid dans le deuxième tour maintenant, est-ce qu'ils vont sécuriser? A priori ils vont révéler c'est Gragas, Rek'Sai. Si Gragas est un flex pick. Avec Karma, alors Karma qui peut être joué mid, on en parlait à la partie précédente, ça aurait pu être une alternative à Azir. L'avantage de Karma mid, c'est que ça a ce shield de zone qui est excellent pour counter des engages avec pas mal de sorts de zone justement, notamment Lissandra. Je pense qu'il faut éviter de jouer une Lissandra contre une Karma. Ouais c'est pas ouf Lissandra contre Karma. Oula, une compo très agressive de la part des NRG avec un Jhin Janna. Donc ce qu'on veut c'est mettre des gros crits et surtout protéger. Oula. Alors
Donc on va peut-être sécuriser le jungler, on sait pas encore hein, ce pick Raga, sachant que Kindred et Nidalee sont ban, et Graves d'ailleurs. Du coup, ça, a priori, on se dirigerait vers une Elise, vu que Gragas a été lock. Après, Gragas peut aller top et on aura un Nautilus support, et là, tu fous le mind game ton adversaire. Ouais, et dans ce cas-là, tu peux prendre Lee Sin jungle. Après, bon, quel intérêt de cacher toute une stratégie pour finalement sortir un Lee Sin jungle. Mais bon, on va voir. Et donc, finalement, le Jhin du côté Energy. Ouais. C'est risqué, hein, parce que face à un... y a de l'engage quand même côté Liquid avec ce Nautilus et ce Gragas. Piglet qui lock-in instantanément Lucian. Et donc ce sera une Karma support. Ok, pourquoi pas. Hein. C'est Lemon Nation qui l'a joué beaucoup à l'époque. Ouais. Ouais, mais c'est très bien parce qu'en fait, Karma, en l'absence de Sivir, c'est le seul pick en fait qui peut répondre à Sivir. Parce qu'en fait, il en... Ça permet d'avoir stéroïde de vitesse de déplacement, de global. Il y a très peu de champions qui peuvent faire ça. Et donc, c'est un très très bon, très bonne alternative. Ouais, son mantra shield est vraiment excellent pour Karma. Et donc, Z, c'est marrant parce qu'on a blind pick quand même le Z sur la mid lane. C'est-à-dire qu'on s'attend à un pick éventuellement, un pick Azir. C'est-à-dire que là, l'énergie, on les met au défi. Est-ce que vous êtes capable de pick Azir pour Gangwemum face au Z de Phoenix? Phoenix qui est très très bon sur Azir, mais qui est très très bon sur Z aussi. Ouais. Donc, c'est risqué. Energy qui pourrait partir sur une Orianna aussi. Franchement, même si c'est plus pique, moi je vois un Victor. Après, ça a plus d'outils pour tenir un Z, clairement. Mais moi j'aurais bien vu une Orianna, une Ahri, ça pourrait le faire, mais c'est risqué. Hein. Oh, c'est super risqué, surtout que Ahri c'est pas bon contre les tanks. What? Alors là, Gangbamam, il est confiant, hein, parce que sortir du Varus. Attends, mais là tu prends tes gonades, tu les mets dans la brouette. Tu montes tout en haut du Mont Olympe et tu les fais tomber sur le nez de ton adversaire, quoi. Ouais, je pense qu'en fait c'est un effet, un rétroactif de l'humiliation que Dardoche leur a infligé. Non mais ils veulent montrer qu'eux aussi ils ont quelque chose. Mais hein, entre les jambes. On l'avait vu. C'était Senkuk qui s'était fait trier en LCS. Ah c'est sûr, le match-up est horrible hein, pour Varus. Enfin, disons que non, il est pas horrible avant le niveau 6. Avant le niveau 6, il y a vraiment moyen d'avoir un petit avantage. Après, l'avantage de Varus quand même, c'est qu'à partir du niveau 6, et une fois qu'il a sa larme et un petit peu d'AD, il peut dépouche sans a priori se mettre en danger avec ses arrows. Mais dès qu'il va pointer le bout de son nez face à un Z, ça pourrait être directement la sanction. En fait, sur le very early, effectivement, t'as raison, Duke. Un Varus, ça tient Zen, parce que ça a des dégâts de base qui sont énormes, parce que c'est un range et ouais, parce que c'est un AD. Donc ça a des très très grosses auto-attaques. Le problème, c'est qu'à partir du niveau 3, le Z, il a la capacité de lock et surtout la capacité de burst pour arriver à tuer un Varus. On tient compte juste de ça. Le problème, c'est qu'à partir du niveau 6, non seulement il peut le lock, il peut le burst, mais il peut faire ça même deux fois. Et il peut derrière flash out et il peut s'en sortir. Le problème, c'est que là, il n'y aura aucun contrôle qui sera posé sur la mid lane. Le Z, il va faire ce qu'il veut. Il va se balader où il veut, quand il veut. Alors, je sais pas s'il a pris une exhaust, le Varus. Je crois, oui. Ouais, parce que bon, du coup, la purge qui est inutile. Je pense que pour tenir le match-up, il faut qu'il joue exhaust barrière. Exhaust barrière, ouais. Exhaust barrière, je pense qu'il a une chance de tenir. Il lui faut 3 sorts d'invocateur. Ouais, c'est ça. 3 sorts d'invocateur et une cote épineuse. Je ne sais quoi dire. C'est risqué, surtout quand on est à 0-2. Quoi. Sortir un Varus. Là-dessus, c'est-à-dire que ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est assez fréquent de voir une stratégie avec Varus en last pick comme ça en red side. Après, généralement, on pique Varus en connaissance de cause face au mid laner en face. Mais là, on sait qu'il y a un Z et on est tellement confiant dans la stratégie côté énergie qu'on va pique ce Varus. Après, c'est une compo excellente, hein, la compo énergie dans l'optique de disengage. On a beaucoup de piles, on a beaucoup de poke et un bon scaling vers le late game, mais quand même attention. Et les deux teams qui sont quasiment full AD. Les champions AD sont très en vogue actuellement. En tout cas, du côté des caries, bon, après, il y aura toujours du dégât magique. Mais Corti était ban? Non, il me semble pas, non. Mais alors quoi? Mais alors pourquoi? La question, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux avoir un champion qui est moins mobile, qui est plus vulnérable, qui est meilleur qui en poke, qui traîne moins tôt? Ouais, il est meilleur en poke, mais c'est tout, quoi. Bah ouais, alors que Corki, ça out-trade, et puis surtout, ça a des dégâts magiques, quoi. Mais il est bien meilleur. Varus, son seul avantage sur Corki, c'est qu'il est bien meilleur en poke. Après, Corki poke un peu, même poke, peu poke carrément. Après, le poke de Varus, c'est quand même inégalé en ce moment, mais c'est effectivement la seule force que je vois dans ce pick là-dessus. C'est vraiment... Regarde le stuff. Épée longue, les potions, et on est parti. Ouais. On va tout de suite essayer d'avoir un peu de pénétration armure, le supplément de burst. Alors, les Liquid, est-ce qu'ils veulent prendre le match-up 2v2 a priori, on verrait un match-up 2v2. Donc, Janna, Jhin, c'est assez bon en 2v2. Lucian, Karma, je ne pourrais pas trop dire. J'ai un peu du mal à savoir si c'est Karma. Après, Karma, il y avait pas mal de potes en face de lane. Le pot qui counter un petit peu Janna, dans le sens où si Janna n'est pas suffisamment réactive avec ses shields,
ben elle a pas beaucoup, il y a pas vraiment de sustain. Non. Mais c'est sûr. C'est compliqué. Bon, c'est deux très très enfin deux duo line très fortes, je pense. Ouais, ouais, je pense que ouais, c'est tradable. Je pense que c'est tradable, ouais, pour l'NRG face à Lucian Karma. Après, ça dépend ce que Karma fait de ses skill shots. On va voir. Ouais, et là, donc Moon qui a essayé. Alors là, c'est très mauvais pour Moon, là, qui se fait subtiliser le red buff. Dardosh qui renvoie le jungler des NRG à ce push de tourelle. Il a... Oh là là, ça c'est très 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 bien. De la part de Dardosh, et pendant ce temps Impact qui est en train de mettre beaucoup de pression sur Lolo. Lolo qui doit être patient. Ouais. À ce moment-là de la partie, ça fait extrêmement mal, hein, Echo. Ouais, avec les dégâts de base. Après, il devrait partir sur des items plus tanky, le Echo de Impact. C'est pour ça qu'on le full AD, c'est parce qu'a priori Impact ne fera pas énormément de dégâts. AP en tout cas. Mais on va voir. Donc Dardosh là qui pourrait partir sur un start triple buff vu qu'il a style le red buff de Moon. Vraiment direct, hein, l'invade. Ouais. On se pose pas de questions. Peut-être un gank, quoi. Il y a des joueurs qui sont très avancés. Et c'est parti pour aller chercher Impact. La zone de convergence qui est placée. Il va se mettre dedans juste voilà, pour essayer de créer un petit peu de distance. Impact qui va devoir craquer peut-être son flash. Non, finalement, même pas. Bien joué. Hein. Et Dardosh là, qui a fait son coup de bidon justement. On l'a vu. Enfin, ça pouvait avoir l'air d'un fail, mais c'est le genre de gank où en fait il veut tout simplement essayer de forcer le flash. Parce que disons du laner qui doit respecter le coup de bidon flashé de Gragas en préventif. Mais bon, Impact a eu les nerfs solides, ne l'a pas craqué. Ouais, c'est exactement ça, hein, Duke. T'es là, tu fais craquer le flash et d'un seul coup, le match-up il devient compliqué parce que tu n'as plus, en fait, t'as plus de filet de sécurité. Voilà, c'est ça, de filet de sécurité. Donc tu dois jouer complètement all-in. Et regarde, on y retourne. Hop là, ça n'a pas touché. On veut vraiment babysit la top lane du côté de Dardosh. Du coup, le red buff qui a été volé par Moon, hein, il a vu que Dardosh s'était un petit peu attardé sur le top side et il n'aurait pas le temps de récupérer son red buff. J'aurais été intéressé aussi de voir en fait Dardosh mettre énormément de pression sur Gone by Mom pour lui faire waste son flash en early. Ouais. Parce que s'il a pas le flash, par contre, Gone by Mom il est au niveau 6. Fin... Ah, peut-être qu'il va essayer de faire là rapidement. Et Dardosh là, qui continue le dive éventuellement sur Impact. On a encore le flash du côté d'Impact. Il a plus de mana. On va le laisser probablement claquer sa zone. Et une fois que le shield sera parti, on va dive. Et voilà, c'est parti. Impact qui se fait dive. Il a rien pu faire. Le First Blood qui est récupéré par l'Urlo. Le flash in. Le coucou qui touche. Et sans conséquence pour Phoenix qui était bien. Oh mon dieu! Ce cocon absolument parfait. Il a anticipé le flash de Phoenix. La Mad Life. Ah c'est Mad Life ça. Il y a que les très grands qui font ça. The Mad Life cocooning. Et c'est ça, Mad Life cocooning. Bon dégâts, le follow-up, Altec qui se retourne. Qui va être la floraison mortelle. Et on va lock Altec. Piglet il n'ira pas plus loin. Ouais. Qui a dit à son support, stop. Faut juste faire attention dans ce genre de trade quand on joue Lucian contre Jhin. Alors Lucian est très dominateur en lane, pas forcément excellent contre Jhin dans le sens où Jhin a une range suffisante pour mettre en difficulté Lucian. Ce genre de trade, il faut aller très très all-in avec Lucian contre Jhin. Le problème, c'est qu'à partir du niveau 6, une fois que Jhin est safe, il peut vraiment répliquer avec son ultimate derrière. Donc il faut pas non plus, il faut respecter le rappel du rideau après. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Honnêtement, le rappel du rideau en termes de dégâts, je pense que s'il y a un nerf qui sera appliqué sur Jhin, je trouve champion assez équilibré. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il a des très grosses forces et très grosses faiblesses. Voilà. Et du coup, ça fait de lui un excellent team champion. J'apprécierais vraiment que Riot ne le touche pas ou très peu. Ce serait déjà, ils ont fait un premier ajustement entre les dégâts de son Q-spell par rapport à ses traps, enfin le coup en mana, et les dégâts de telle sorte à rendre les traps plus intéressantes dans les premiers niveaux du jeu. Ouais, les traps qui sont vraiment très très durs à linker. Pour moi, le changement entre guillemets buff, ce serait de permettre le link avec la floraison mortelle plus facile sur les traps. En termes de effectivement, il y a des grosses forces, des grosses faiblesses. Après, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Le rappel du rideau, peut-être un tout petit peu trop de dégâts. Peut-être, après il faut tout toucher. Donc, et puis sur les bonnes cibles, honnêtement, ça se discute. En tout cas, c'est intéressant d'avoir des champions justement qui sont forts dans un domaine. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de Azir qui devient fort un peu dans trop de domaines, ou comme Poppy par exemple qui est fort dans tous les domaines, et le dive. Des Liquid encore une fois, c'est maintenant sur la bot lane, attaque et lock. C'est Matt qui prend la gros de la tour et l'arrivée de Impact. Impact qui va essayer d'aller chercher le support. Lolo qui vient de faire tomber Altec. Et derrière, on va continuer l'arrivée de Gone by Mom. Gone by Mom qui va récupérer Matt. Matt qui va se protéger, qui va essayer de tempo. Et Impact qui vient de tuer Piglet. Matt qui va mourir sous les coups de Gone by Mom. C'est pas mal ce que font les Liquid face au NRG, mais l'énergie sur le dos. Il est obligé de reculer. Et l'arrivée de Phoenix avec l'ultimate qui passe sur Gone by Mom. Gone by Mom qui va tomber directement. Impact, la suite, le coup de bidon. Et c'est flashé pour Impact. Mais Matt ? Ouais, Matt l'a un peu brain en se mettant dans le bouche au dernier moment. Et Gang Bamum qui s'est dit, bon bah j'ai plus le temps de continuer de chase le support. Ça devient trop important de venir aider mes teammates. Et du coup, le kill qui n'est pas pris sur le support. Très bien joué de la part du support des Liquid.
Alors du coup là-dessus, qui est-ce qui est mort? Il y a Gangbam qui est mort, il y a Altec qui est mort au début du fight. Et du côté Liquid, on va revoir ça. Donc ça part, c'est Matt qui prend l'aggro. Je pense que ça c'est pas trop mal. Ouais, ils ont un peu du mal à finir Altec. Il se commit peut-être un peu Piglet là-dessus. Heureusement, il prend pas l'aggro de la tour au moment où il se fait route. C'est un petit peu de réussite là-dessus. D'ailleurs, Piglet qui va finir par tomber, je pense. Il y a Matt. Pour l'instant, il y a Impact qui va tuer. C'était Piglet, c'est bon. Là, il y a l'arrivée de Phoenix. Et Lorlo qui finit par tomber. Ok, donc 2 pour 2, je pense, sur ce. Ouais, c'est ça, parce que derrière, il y a le flash out de Impact. Vraiment très très impressionnant. J'ai l'impression que j'ai loupé un kill, je ne sais pas où. En tout cas, du coup, là, les Liquid qui vont faire un dive un petit peu agressif. Enfin, heureusement qu'il y avait Lourlo avec son flash pour finir Altec sur le move. Peut-être trop all-in, mais bon, ça passe quand même. Ouais, mais c'est le style de jeu qui veut ça. Je pense que les Liquid, ils jouent un peu vraiment comme les Immortals, tout en agression. Voilà, on va aller chercher Moon encore une fois. Hop là, l'arrivée de Dardosh. Moon qui est sous la tour. On va utiliser le rappel, mais il ne pourra strictement rien en faire. Moon qui va quand même ne pas prendre l'aggro de la tour. Et la karma de Matt qui était présente. C'est bien joué de la part de Moon là-dessus, qui temporise vraiment bien le coup de bidon qui n'a pas touché l'ultimate. 3 pour de Dardosh. 3 pour... Ok, c'est bien ça. Ok, il manquait quelqu'un, je me disais. Et du coup, ouais, la Moon qui a bien dodge aussi l'ultimate de Dardosh avec son rappel. Ouais. Du coup, pas de kit supplémentaire. Un Kagold d'avance pour l'instant pour les Liquid. Mm-hmm. Les Liquid toujours devant. Et Altec qui est obligé d'utiliser son flash très tôt. Je pense que ça lui fait très très mal. Un Jhin sans flash, c'est vraiment problématique. Ça n'a pas de mobilité. Hein. Après, les téléports ne sont pas up pour l'instant pour les Liquid, donc les gros dives devraient s'arrêter un petit peu. Alors Phoenix, il a pris son kill avec son Z. Attention quand même hein, maintenant. Surtout qu'il n'y a plus de summoner côté bah voilà. Grand Baimum. Voilà comment ça joue. Le match-up se joue ainsi. Voilà. Tu restes à 10 mètres de tes sbires et si tu avances, tu mets pas une seule auto-attaque. Il faut être très précautionneux là. Par contre, Phoenix qui joue un petit peu en retrait, je pense qu'il sait que son jungler est rentré à la base. Il voulait un petit peu peur éventuellement de la position de Moon. Moon qui est d'ailleurs lui aussi rentré chez lui. Ouais, le problème c'est que là il y a une tour. Donc ils vont savoir, les Team Liquid, qu'il y aura un déplacement de jungler. Regarde, qui est-ce qui est en train de bouger? C'est Moon dans la jungle top. Et donc Phoenix qui va pouvoir être peut-être un peu plus ambitieux sur cette mid lane. Il faut pas hésiter, hein, il n'y a plus de fatigue pour Grand Maimum. Ouais, il n'y a rien du tout. La fatigue qui revient dans une dizaine de secondes. Donc t'as le flash advantage, t'as le fatigue advantage. Là, le Dignite advantage. Le problème c'est que la fatigue à elle tout seule quasiment assure Grand Maimum d'être safe en cas de all-in de Phoenix. Enfin 100% un Varus quand on prend une fatigue à ce moment-là de la partie sur un Z, c'est quand même un petit peu compliqué. Après il a déjà le supplément, il a le marteau. Ouais, ça peut se faire si vraiment il joue parfaitement toutes ses compétences quoi, mais c'est quand même risqué, alors je suis pas sûr qu'il le tente. Moon qui arrive pour chercher le Warlow, c'est Impact qui est en train de DPS le solo laner des Team Liquid. On va tout mettre sur Impact qui passe derrière pour maximiser son DPS. Warlow qui va essayer de reproquer peut-être son shield, mais les marques qui vont proquer Warlow qui est mort, ne pourra rien faire. Et attention sur le reste de la map, Phoenix qui a ulti il me semble, et il reprend le kill sur Kunkwan. On n'en avait pas vu hein, comment est-ce que Altec s'est fait désosser là-dessus, mais sans flash bien sûr c'est compliqué pour le carrière d'énergie. Ouais, voilà, Phoenix il prend un peu de poke, mais bon, franchement 2-0-1 à 10 minutes de jeu sur un Zen qui joue un match-up extrêmement facile, je pense qu'ils sont contents là les Team Liquid hein. C'est exactement comme il l'espérait, je pense. Il manquerait plus qu'un petit kill sur Piglet et vraiment la machine serait en route. Ouais, petit kill sur Piglet. Il a pris 3 assists après Piglet. Hein. Ouais. Son adversaire, il en a pris 1. Il est mort par 2 fois. Puis il a 30 farms d'avance. Surtout, c'est tellement énorme. Hein. Ses avantages en farm sur la botlane, ça fait 2 games consécutifs pour les Liquid. 35 farms, 35 rip d'avance pour Piglet qui est en train de détruire Altec. On va revoir la phase de jeu justement. Okay. Oh, il est parfait. Il y a eu un flash là. Ouais. De qui? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu un flash sur place quasiment. Ah, il pouvait rien faire. Très très bonne ulti de Dardosh là-dessus. C'est ce qui a permis ce kill. Et on va prendre l'héros de la faille côté énergie. Bon, l'énergie déjà qui se font pas snowball de 5 kagol à 10 minutes de jeu. C'est presque une performance. Franchement, c'est pareil. Hein. Là, il y a encore une fois quasiment aucun espoir pour ces énergies. Les lanes se font. Pas atomisé cette fois, mais c'est pas loin. La botlane s'est fait atomiser, la mid lane bah Z est déjà super bien dans sa game. Il n'y a que la top lane, mais vraiment, est-ce que c'est grave d'avoir un Nautilus qui a 10 farms, 7 farms de retard d'un Echo? Certes, il y a 3 kills sur le Echo, mais le Echo va partir fou. Ouais, mais il y a 3 kills sur Nautilus.
Mais il y a 3 kills sur Nautilus. Ouais. Donc au final, il y a une mort d'écart et 5 cribs. Donc puis c'est pour des tanks, quoi. Donc les tanks, bon, bah effectivement, il aura peut-être un manteau de spectre en plus, mais c'est pas ça. Ou un petit peu d'armure, mais c'est pas ça qui va faire la différence contre et les dégâts, les carry. Salut! Voilà. Ouais, mais là, l'Exos, pour l'instant, qui ne finit pas quand même, mais attention, là, il est d'autant plus vulnérable maintenant. L'Exos qui revient moins vite que l'ultimate de Phoenix. Ah, surtout que, ouais, il a de la réduction CD. Donc il s'en fiche un petit peu, Phoenix. Il va pouvoir remettre ça très rapidement. Et Dardosh qui wave clear, on attend peut-être Yeltsin. C'est vrai que par contre Z en termes de wave clear, c'est pas exceptionnel. Ouais, c'est un peu. T'es obligé de te commit, c'est bien, mais faut t'es un peu commit. Ou alors de commit ton engage. Attention là, les liquides qui vont peut-être tenter quelque chose. L'arrivée de Lourlo, le hook qui passe sur Altec, Altec qui continue de pilisson en 3v5 pour l'instant. L'arrivée de Piglet. L'arrivée de Piglet sur Impact, on va mettre la mousson pour Concon. Il n'a pas d'ulti pour Phoenix, on va être obligé de reculer. Ça va sûrement être un kill complètement gratuit dans la poche des NRG Esports. Ouais, le rappel du rideau qui va commencer. Est-ce qu'on va essayer on va réussir à toucher? Non, on est trop court du côté NRG et c'est quand même un kill récupéré, c'est pas mal. Là, et là, on met en place le poke, c'est peut-être leur solution, les énergies, les liquides qui sont, restent à peu près en place. Piglet, il n'y a plus beaucoup de mana, il va devoir back. Est-ce que ça va faire la première tour? Phoenix est full life. Ouais, Phoenix est full life. En plus de ça, il va avoir son cooldown d'ulti dans pas longtemps. Donc ça risque d'être dangereux quand même pour les énergies. On revoit la Dardosh qui s'est fait un peu surprendre comme un bleu. Ouais. Je pense qu'il n'y attendait pas et c'est peut-être le seul moment de la game où c'est pas extrêmement... extrêmement tanky, ouais. Gragas, bah, donc il faut se méfier. C'est le problème du starter Runic Echo a priori, hein, c'est ce qu'il a fait je pense. C'est ce que font tous les Gragas pour avoir un petit peu de dégâts en early game et de clear. Et ouais, le rappel du rideau trop court, Altec qui fait pas une grosse game avec son Jhin. Non, pour l'instant il est dépassé. Après on peut pas dire vraiment que Piglet fasse une game énorme, 3 assists. Il a pas réussi à prendre 2 kills, bah, après c'est vrai qu'en termes de farm il le détruit. En termes de farm il le détruit, ouais. Et Piglet ça fait quand même pas la première fois qu'il fait ça. Il avait, je pense que son gros coup d'éclat de la saison c'était contre Double Lift qui s'était fait humilier en face de lane. Double Lift comme Yellowstar d'ailleurs, hein, les deux étaient à blâmer là-dessus. Mm-hmm, tout à fait. Je trouve que c'est facile de farm moi avec... Avec Jhin ? Ouais. En fait, c'est facile de last hit parce que t'as beaucoup d'AD. Après, le problème, c'est que t'as une attack speed assez lente. Donc, quand il y en a plusieurs qui meurent en même temps, c'est compliqué. Ouais, mais t'as ton Q-spell généralement. T'as ton Q-spell, mais du coup, ça peut perturber. Honnêtement, c'est pas si facile. Je t'invite, et notamment sous la tour, je t'invite à essayer. Je trouve que c'est quand même moins facile que d'autres AD carry. Disons, c'est plus facile de last hit quand t'as pas. Que par exemple, quand t'as un Ezreal, quand tu joues avec l'arme de la DS et que t'as 80 d'AD à 15 minutes, faut quand même. Faut bien se concentrer. Ouais. Là, c'est pas les mêmes problématiques, je dirais, de last hitting. Non, c'est autre chose, mais je trouve ça pas trop difficile quoi. Tu prends le pli assez rapidement. Après bon, c'est une question de feeling. Ce qui est compliqué, c'est de gérer la pression avec Jhin. C'est ça. C'est exactement ça. Et Lourlo, hop là, les répliques sismiques. On va wave clear pendant ce temps, les Team Liquid qui récupèrent le héros de la faille. Allez, il faut créer un petit peu de mouvement. C'est vrai qu'il y a déjà 3 cagoles au quart d'heure. On s'en rend pas compte comme ça, on discute le last hit. 3 cagoles pour les Team Liquid tranquillement. Et ce match-up, toujours sur la mid lane, 20 creeps d'avance en faveur de Phoenix. C'est quasiment de l'écart farm en plus, c'est pas de l'écart tour. Bon, il y a une tour d'avance, mais il y a vraiment de l'écart farm derrière. Ouais. Et ça, c'est très important parce que c'est de l'écart que tu récupères quasiment jamais dans la game. Ouais, il n'y a que la top lane qui tient la route pour l'instant. Bah, même dans la jungle, on est 10 farms derrière du côté de Moon qui se sera fait manger vivant par Dardosh dans cette série. Dardosh, ouais, qui commence à partir tanky en plus, beaucoup de résil magie. Alors c'est étonnant, ça veut dire peut-être qu'il veut se diriger plutôt sur le top side de la carte parce que c'est là que les dégâts magiques sont du côté énergie sur ce écho et cette Elise. Ouais, peut-être aussi qu'il respecte pas trop. Enfin, il sait que dans les fights il va y avoir de la pression mise sur qui? Sur Altec et sur Gant by Mom. Ouais. Donc il y a peu de chances que Altec et Gant by Mom ils fassent un fast focus sur Gragas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'Impact et Moon, ils vont peut-être devoir mettre quelques coups sur lui, donc il anticipe peut-être cette décision. Et après, c'est une décision qui peut être. Et puis le visage spirituel, même contre une équipe avec beaucoup d'AD, reste excellent sur Gragas grâce à son passif, notamment qui proc même pendant les fights, hein, tout le temps. C'est un passif vraiment excellent pour les tanks, un peu à la manière du passif de Maokai, qui donne de la regen permanente. Et Phoenix qui commence le split touch. Le split touch, exactement. Le split touch de Phoenix avec son Z. Et Dardosh qui continue à farmer tranquillement. Voilà, on récupère tout, on fait la rotation au niveau de la mid lane maintenant qu'on a push à la top lane. Ouais, la bot lane qu'on a mis sur la mid lane du classique, du 1-3-1 pour l'instant, même si Dardosh fait un peu l'électron libre, l'essuie-glace entre les lanes. Il récupère un maximum de farm là, déjà 20 farm. Attention là, les énergies qui tombent, Piglet qui tombe directement, c'est très bien fait ce que font l'énergie. Il faut prendre ces occasions si on veut revenir dans la game. Et du coup, ça ouvre cette mid lane. Le dispositif des liquides qui était en place là en 1-3-1 est complètement éventé. Et l'énergie qui vont pouvoir commencer à push. Ouais, le problème c'est que là ils sont complètement out-rotate, les teams
Liquid. Il n'y a personne pour défendre cette T1 à part Matt. Et en plus, il rate son Q-spell. C'est la tour en faveur des Energy Esports. Et voilà, même Lourlo va pas perdre son temps à décaler. Autant préparer la prochaine rotation de son équipe en pushant sur la top lane. Voilà, on a créé l'accumulation. On va faire un buy. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'objectif neutre. Et là, là, c'est de la perte nette hein, pour, ouais. pour les Liquid. Effectivement, les Liquid là, qui font peut-être leur premier vrai gros misplay stratégique. Bon, il y avait aussi le Baron hein, qui avait été volé, mais c'était un peu une erreur différente, disons. Ouais. Hop là. Et, oh, attention. Et voilà. Pop. Terminé. Comme une petite bulle en plastique qu'on c'est écrase. Ça. Pop. Et du coup, le kill est récupéré. J'aurais bien aimé voir le début de l'action, mais bon, ça allait tellement vite, j'imagine, avec ce all-in 2Z. Pas grand-chose à faire hein, quand on joue Varus. L'exhaust, en plus, qui était passé. Hein. Il y avait l'exhaust qui était up, tout y est et passé. Je comprends vraiment, mais alors, pas du tout, mais du tout cette draft. Hein. Ah, mais ouais, regarde, il y avait exhaust, mais il y avait une QSS en face. C'est pour ça qu'il y a une QSS, notamment. Ouais. Bah, il est en avance, donc il a investi cet argent dans un item c'est intelligent. Qui fait que tu ne peux plus du tout l'arrêter. Il est inarrêtable. Par attention, contre, là, le flanking d'énergie, Impact qui stun Dardosh, Piglet qui peut continuer, 2 DPS, Dardosh qui est assez low. Piglet qui est safe, Piglet qui est safe, Piglet qui se retourne, Piglet qui met la killing au corps à corps sur Moon. Ça fait d'énormes dégâts. Attention à la trappe qui a été placée directement par Altec. Impact qui va revenir. Oh, c'est bien joué, le retour temporel. Ça ne suffira pas. Marty, on ne survivra pas. Impact va tomber. Ouais, et la floraison mortelle un peu piffée de la part de Altec. Est-ce qu'on veut vraiment ceux qui l'ont utilisé deux ultimates? C'est Quankwan qui en fait les frais. Impact qui va continuer sa fuite. Est-ce que ça va suffire? Ça commence à être de plus en plus compliqué pour le top laner d'énergie. Le stun qui passe, mais ce n'est pas suffisant. Un deuxième kill dans l'escarcelle des liquides d'affilée. Piglet a mis beaucoup de dégâts avec son Lucian, on le connaît. Hein. Il maîtrise parfaitement ce champion. Ouais. Et on va faire la rotation sur la bot lane. À chaque fois, en fait, ce qu'ils font, les Team Liquid, c'est on push sur les side lane et on se regroupe. Et là, c'était parfaitement joué. Ah, l'exhaust qui est directement passé sur Impact, c'est étonnant, hein. on claque l'exhaust sur le top laner pourtant qui a priori part full tank. On sait pas à dire à quel point on respecte les dégâts de Impact, le seul qui est bien dans sa partie côté énergie. Et là cette encre était impressionnante de la part de Lourlo, vraiment un sniping. Et là c'était Impact qui tient quand même très très bien la floraison mortelle d'Altec. On pouvait espérer une contribution de sa part. Quel utile encore une fois de la part de Dardosh. Incroyable Dardosh qui est... Incroyable Dardosh dans ce split. Hein. Incroyable, il a progressé énormément. Je pense que EUENA confondu, ça doit être le meilleur rookie. Oui c'est sûr que c'est le meilleur rookie western. Bon après meilleur jungler, le problème. Ouais, il y a Rainover qui... Il y a Monsieur Rainover. Il y a Rainover qui est vraiment bon. En U, il n'y a pas de gros jungler dominant. Trick peut-être, Trick pour Bayanko sont les meilleurs. Je pense que Trick a été le plus meilleur ce split. Bah d'ailleurs il a reçu le titre de meilleur jungler. En plus d'ailleurs. Pas surprenant. Et de MVP tout court d'ailleurs, non il me semble. Je crois qu'il a été MVP Trick exactement. Mais Rainover est beaucoup plus dominant par rapport à ses vis-à-vis, je dirais, dans sa région. Ouais. A priori. À part Dardosh peut-être. Mais Dardosh, une nouvelle menace à l'arsenal des Liquid. Hein. Les Liquid ils sont une équipe un peu en reconstruction après le départ de Quas et de Dominate, et d'ailleurs aussi de qui était le support X-Special, je crois. Donc l'arrivée de trois rookies pour les remplacer, et ça se passe super bien. Comme tout à fait. Le recrutement des Liquid marche bien. Et pourquoi ceci? Parce qu'ils ont une équipe challenger. Donc Liquid Academy, c'est une des rares équipes LCS à avoir conservé son équipe challenger. Et ça fait du bien. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a Spirit aussi chez Fnatic, mais Spirit. Ça dépend de quel Spirit on parle. Ouais, c'est tout sauf un rookie pour le coup. C'est tout sauf un rookie, c'est un super vétéran de ouf. Après, bon, Rainover, c'est plus un rookie. Ouais. Quand t'as joué une demi-finale des Worlds, tu peux plus te considérer comme rookie. Non. C'était le rookie de l'année, mais c'était Uni qui avait pris le rookie du split à l'époque, et pas Rainover. C'était rookie, et au Summer, c'était... Au Summer, en EU, c'est une bonne question. Je ne sais plus qui a eu le... Peut-être Febiven, je ne sais pas. Ouais, mais c'est... Non, c'est pas une. Non, franchement, je sais plus si vous avez une idée dans le chat. Uni avait été MVP. Elle avait été MVP rookie en premier split de printemps. Et elle était MVP en deuxième. En deuxième? Ouais, okay. De mémoire, oui. D'accord. Ça m'étonne pas. Hein. Il était tout aussi monstrueux, Uni en Europe. Et regarde, à part Piglet, tout le monde a pris 3 kills chez Team Liquid. C'est Nils, ils disent dans le chat. Nils. Ok, ouais, bah, c'est très, très. Alors la question, c'est de savoir si c'est Nils ou c'est Sven. Ah, voilà. Je sais pas. C'est vrai que moi je regrette vachement l'époque où il est pas mauvais d'ailleurs Sven au passage par rapport à Nils. Ouais, il a apporté vachement Origen. Ouais. Et d'ailleurs ça s'est vu. Hein, je pense qu'avec Nils il passait pas hein, l'écart. Non, bah c'était un remplacement assez bien vu de la part d'Origen à l'intersaison. Ouais. Bon, le mid lane s'est moins bien passé avec l'arrivée de Power of Evil à la place de Peke. Mais vraiment Sven,
voilà, mettre Neil sur le banc et lui dire écoute, voilà, on va faire appel à un petit jeune Sven, c'est vraiment ce qu'on attendait de la part d'un management fort comme XPK. Oui, c'est ça, comme XPK. Ouais, je pense qu'il c'est bien dit, ça résume le management d'origine de toute façon, XPK. Et du coup, retour à cette partie, les liquides, maintenant qu'ils sont à plus de 5 KGold d'avance à 22 minutes, les Energy lentement mais sûrement qui se font dominer par ces liquides. Ouais. Il y a des gens sur le chat qui n'ont pas de sens de l'humour. Ils n'aiment pas l'humour. Ils n'aiment pas les games lentes, ils n'aiment pas les tanks, ils n'aiment pas les games courtes parce que ça snowball trop et que c'est frustrant. Les games longues, là, ça snowball pas assez et c'est frustrant. Ils aimaient bien quand il y avait le dragon qui avait des golds, mais à l'époque, ils n'aimaient pas trop s'il y avait Renekton et Shyvana. Voilà, ils aimaient bien la méta saison 2, mais c'est vrai qu'en saison 2, les graphismes n'étaient pas terribles. Puis bon, Xin Zhao était OP, donc ils n'aimaient pas trop. Voilà, puis il y avait des champions beaucoup trop OP comme Riven, Yasuo, ouais, et Vayne, bien sûr. Donc ils aiment pas trop, quoi. En fait, c'est plus ou moins un métier ou un hobby, voire un sport, c'est de ne pas aimer. Voilà. Ou un e-sport d'ailleurs. C'est ça, un e-sport. Je pense que le chat Twitch va devenir un e-sport. C'est quelque chose qui est complètement underrated, c'est de savoir qui mettra le plus de hate gratuite sur la personne qui est à l'écran. Voilà, et on comptera les points. Et on revient sur ce match, Team Liquid contre NRG, dans un petit temps mort. Et regarde, oula, ça c'est après le kick le plus inutile de l'histoire, on a peut-être la Yomu la plus stylée du monde. Ouais, la Yomu un peu pour impressionner son adversaire, pour gonfler les muscles avant le fight. À part ça, je voyais pas bien l'utilité non plus. Les Energy qui essaient de faire scale ce carry AD qui a tant de mal, 70 farms de retard par rapport à Piglet, c'est vraiment énorme. Ouais, c'est incroyable. Hein. Pour l'instant, il est en train de l'étrier. Regarde, il y a juste une petite QSS et un deuxième item d'avance. Tranquillement, au KLM pour le carry AD des Liquid. Et c'est vrai, hein, ils ont encore une fois. Je pense qu'il va falloir regarder à chaque fois maintenant la duo lane, maintenant qu'ils l'ont dit, c'est de voir quand est-ce qu'ils vont la perdre, la duo lane. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tout le temps devant, quoi. Ouais. L'Energy qui ne voit pas du tout la porte de sortie au niveau des stuffs. Donc on est parti Gant les Givrants, Cap Solaire du côté de Impact. Donc le build classique tank. Hein, on pourrait prendre quasiment n'importe quel champion sur la top lane. On lui mettrait ce stuff, ça marcherait bien. C'est le principe de ce début de la saison 6. Moi j'attends de voir Vayne top avec ce stuff-là. Ouais, mais honnêtement, Vayne avec ses dégâts de base sur les carreaux, c'est super fort. Faut juste un item d'AS, un statique, et ça pourrait marcher, on en discutait. Ça a une Ginsu, alors hop. Ouais, Ginsu, je suis pas fan par contre. C'est pas grave. Attention, je trouve ça stylé comme item. L'ulti de Gangbaimum derrière la floraison mortelle qui lock Madma, hein, qui va tomber. C'est le problème hein, sur cette partie pour les Liquid. Ils sont un petit peu moins clean que les deux manches précédentes. On se fait catch assez souvent sur cette mid lane par le combo Varus et Jin. Et même si je suis même pas sûr que la floraison mortelle est touchée là-dessus, hein, le. No need. No need, et on avance sur cette T2 du côté des NRG. C'est sûr qu'à 5 contre 1 support, ça devait bien finir. Et on va aller sur justement l'édifice. Impact qui n'hésite pas. Altec derrière. Moon, c'est pas mal ce qu'ils font. L'arrivée de Dardoche, on a cru à l'engage, on a reculé. La floraison mortelle qui va toucher le jungler. Des Team Liquid, repositionnement. On a la vague de sbires pour essayer justement d'avancer un petit peu. Et le TP, regarde, il y a un TP de Lourlo à suivre. Le teamfight qui va commencer, ça peut être dangereux pour l'NRG. Les Liquid qui ont besoin d'engage, hein. Il y a tellement de pots côté NRG. Le flanking de la part de Lourlo, est-ce qu'il va vraiment y aller? C'est compliqué, hein. Ses coéquipiers sont un petit peu en retard et on va décider finalement de tourner Kazak chez les Liquid. Il y a Impact qui vient un petit peu gratter les éclaireurs. Tourner Kazak? Oui, tourner Kazak. Propre. J'ai rien à dire de plus que propre. C'est pour ça qu'on les fait venir à nouveau, c'est pour leurs expressions. Dardoche qui va tempo, c'est pas mal. Par contre, il y a la zone de convergence, ça a touché sur Lourlo. Lourlo, il encaisse. Phoenix, il a décidé de ne pas respecter. Mais j'ai l'impression qu'il a tout mis sur Concon et c'est bien le cas. Et donc, du coup, ça va faire des dégâts en moins. Piglet sur position, impact sur Piglet. Impact, le retour temporel, encore une fois. On va utiliser l'outil de Lourlo. La grenade SM, est-ce qu'on va follow up? Non, les Liquid qui vont en rester là. J'aimerais bien voir Phoenix comment est-ce qu'il a fait sur son flanking parce qu'il a essayé d'aller chercher Gangquan. J'ai vu la purge, peut-être un petit peu tardif, peut-être qu'il a pris l'exhaust qu'il a empêché de one shot le support des énergies. En tout cas, l'énergie qui s'en sort pour l'instant, qui font dos rond et qui continue de rester dans cette partie. C'est pas évident face au Liquid qui n'hésite pas à engage. Hop là, Altec, le flash out, le flash loot, très bien effectué de la part de toujours aussi de Altec. Du très très bon effectuage. Ouais, c'est ça exactement. Pendant que Piglet retourne au niveau de sa tour. L'Académie française qui prend un petit. Ouais. Ils se font des saignées quand ils écoutent nos castes. Oui, c'est quoi tous ces mots anglais? Et puis c'est quoi cet effectuage? C'est pas français.
Lourlo, hop là, il faut éviter la floraison mortelle de la part de Altec. Oui, puis en plus on dit un fight, pas une fight. Enfin bon, voilà. L'Académie française toujours à l'écoute au gaming. Et puis pourquoi utiliser le mot hashtag, on utilise mot dièse. On a trouvé un nom pour ça désormais. La touche dièse. La bonne vieille touche dièse. Et du coup, l'énergie qui vont essayer de reprendre un petit peu de contrôle. Le Moon là, qui a pris son. Son buff pour essayer de déwarder un petit peu. Piglet n'a pas assez, son meilleur BO quand même. Il fait un super bon travail en face de Lightning. Derrière, il se fait très rapidement focus. Il faut qu'il se joue peut-être un petit peu plus en arrière dans les teamfights. Ouais. Après, bon, le fight, il est intrinsèquement lié au fait que Phoenix a décidé d'utiliser son couperet noir et sa Yomu sur Anjana. Ce qui n'est pas forcément optimal. Ouais. Un couperet noir sur Z, c'est pas mal. Après, le CDR est pas si bien sur Z, sauf si on réussit à mettre la main sur un blue buff, mais on tombe assez vite en rate d'énergie. Ouais, c'est surtout pour le cooldown de l'ulti. Ouais, c'est pour le cooldown de l'ulti, effectivement. Et on attend toujours 27 minutes de jeu. Les spikes, les power spikes sont bien respectés de part et d'autre. Ce qui est étonnant, c'est voilà, ils ont pris beaucoup de kills en début de partie, les Team Liquid, et depuis, ils n'y arrivent plus. Attention au comeback des NRG Esports. Ouais, après, la menace de split push de la part de Phoenix va être très très difficile à gérer. J'attends de voir. Peut-être que Impact peut tenir un Z en 1v1. C'est même assez probable, vu son optimisation avec beaucoup d'armure et l'ultimate de Echo. À voir si derrière Phoenix peut sustain. L'avantage, c'est que maintenant, certes, Z est toujours aussi bon en split push, mais il n'a plus l'optimisation avec la lame du roi déchu et donc plus de lifesteal. Donc il peut plus se sustain après les trades quand il est seul sur sa lane. D'ailleurs, la danse de la mort sur Z, ça vaut quoi? J'en ai aucune idée, je ne suis pas spécialiste. Alors, sur Z en ce moment, principalement tu vois des Malmortus, puisque l'item est extrêmement fort. Après il y a plusieurs écoles, le Black Cleaver c'est pas mal quand tu dois face des tanks, qui accumulent beaucoup d'armure puisque le shred d'armor est rentabilisé. La CDR est cool effectivement pour le CD de l'ulti. On voit beaucoup de Yumi aussi, ça c'est vraiment un petit speed push. Et après derrière tu peux voir des hydro ravageuses. Et Altec là, qui s'est fait complètement éclater, mais la purge pour enlever la marque, est-ce que ça va suffire pour Phoenix? Et oui, on se bat. Aïe 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 aïe, ça passe. Phoenix, ça c'est passe, c'est dragon en plus pour les Team Liquid, qu'est-ce que c'est bien joué. Et donc tu me disais, donc là Yomu qu'on a vu à l'œuvre, donc pas de danse de la mort. Et donc en fait si tu cherches un item de lifesteal, tu vas plutôt prendre une hydre ravageuse pour le sustain. Attention, et c'est quand même récupéré. C'est exactement tu vois l'allégorie de la corrida, c'est-à-dire que le taureau, tu vois, hop, on esquive tout et à la fin on la bat quand même, on s'en fout. À la fin faut quand même manger quoi. À la fin voilà, on s'en fout, on kill la bête. Et ça push sur la mid lane. Bien joué de la part des Team Liquid qui maintiennent une très bonne avance de cette cagotte sur des énergies un peu dépassées qui n'arrivent plus à prendre les kills. Non, bon après l'hémorragie est contenue je dirais pour l'instant, même si là c'était un kill. Bon, fallait s'y attendre au bout d'un moment, ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu Phoenix avec son Z. Ouais. Et là c'est une très très bonne purge pour s'en sortir au dernier, je pense à une auto-attaque près de Janna ou de Elise. Ouais c'est ça, et hop il s'en va. Et bon, bah derrière, il fait quand même craquer le flash à Varus. Hein. C'est déjà ça de prix. Et pour l'instant, l'équipe Liquid, voilà, elle prend les objectifs. C'est le travail d'un split pusher, c'est d'attirer la dernière. Attention, le rappel du rideau, peut-être pour essayer de catch un des joueurs Liquid hors de position. Piglet qui sort de la range de l'ultimate du Jhin. Et du coup, les Liquid qui sont bien en position. Où est parti Phoenix? Il revient sur la top lane. Il va continuer de mettre la pression tout seul. De toute façon, là, il peut. Hein. Et regardez, NRG qui était positionné sur le côté pour essayer de créer du danger. Un teamfight, peut-être, ou au moins une escarmouche en flanking. Et finalement, il n'y en aura pas. Et Phoenix, qui continue à push. Il vient de passer son niveau 16. Une information cruciale. Ouais, l'ulti maintenant qui rend 3. Ça va faire très, très mal hein, pour ceux qui n'ont pas de QSS. Mais bon, là, les deux carries des NRG qui ont une QSS, c'est plus compliqué. Janna est en fait la seule cible, entre guillemets, possible. Puisque Elise peu rappel, bon Echo est déjà très tanky et a de toute façon son ultimate au cas où il prendrait vraiment trop de dégâts sur le burst. Donc bon ça commence à être le moment dans la partie où le Z a un petit peu plus de difficultés. Ouais il a plus de difficultés, après honnêtement il a fait le travail qu'il avait à faire et surtout il va faire craquer énormément de choses et faire reculer énormément de champions. Attention quand même à ce call Baron, peut-être un petit peu ballsy, Lourlo qui n'est pas présent mais il a sa téléportation, le solo laner des Team Liquid. Ouais, effectivement, le top lane, ouais, le solo laner, tu l'as dit. Et la Phoenix, est-ce qu'il va reprendre un nouveau kill? Qui on va envoyer hein? C'est vraiment la question côté énergie. Impact, il faudrait a priori qu'il essaie de prendre le 1v1. Est-ce qu'ils sont confiants là-dessus? Il y a quand même beaucoup d'armure sur cet écho. Ouais, mais il y a du shred, il y a du vol de vie maintenant.
Il y a du vol de vie, effectivement, grâce au système. Et de la résistance magique, donc c'est pas impossible. Voilà, on va juste mettre l'œil du cyclone. On a Locke Phoenix, mais c'est dans la tour. Regarde les dégâts qu'il est en train de mettre, Phoenix. Dardoche qui va essayer d'avancer vers la tour, mais encore une fois, l'œil du cyclone va permettre de temporiser du côté des NRG eSports. Piglet va récupérer le Red Buff. Et on a complètement pris à son compte tout l'ensemble de la jungle top des NRG côté Team Liquid. Ouais, c'est un peu l'histoire de ce BO, hein, les Liquid qui ne respectent pas du tout le contrôle de la jungle d'NRG. Et à chaque fois, ils s'avancent dans la jungle, ils prennent tous les farms, ils prennent les tours et ils repartent. Et les carangoles qui se creusent le 1v1 de Impact sur l'Orlo. De patte mouillée, je ne sais pas comment on dit l'expression en anglais. On fait tellement d'anglicisme, même dans les blagues. Mais de patte mouillée. The wet noodles fight. Ah ok, je connaissais pas l'expression. Ok. Très bien. Et pas de mouillé. Et alors c'est pour symboliser ces superbes trades entre les top laners. Même des expressions, on a des expressions en français quand même, on pourrait les utiliser. Mais non, toujours les anglicismes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme expression qui symbolise l'intensité d'un match-up Nautilus Echo Full Tank? De toute façon, c'est le chien de faïence. Là-dessus, chez O-Gaming. On était parti plus sur du chien de faïence. C'est le chien de faïence. Bah, t'es obligé. Depuis que Cardel, Feu Cardel, enfin pas Feu Cardel, il est toujours en vie bien évidemment, on le salue, qui est parti, nous a donné l'explication en live, hein, c'était en saison 3. Et bien voilà, nous avons gardé le chien de faïence comme référentiel pour deux joueurs qui s'échangent des amabilités en début de partie. Et on est toujours en train d'invade du côté des Team Liquid, on essaie de partir sur un baron, attention au Nashor, NA Shore bien évidemment. Qui pourrait coûter une game au Team Liquid dans ce BO5 alors qu'ils sont si bien devant 9k gold d'avance. C'est le moment de faire le break avec cet objectif si difficile. Et le téléport de la part de Lolo, le flanking, ils veulent tenter quelque chose. Il arrive au beau milieu de la jungle, l'arrivée de Impact sur la frontaine, la grenade, oh, Impact sur tout le monde, l'arrivée de Phoenix. Le culling ici, Kongwan qui est tombé, Piglet qui continue de mettre son DPS, Impact qui tente le flanking par derrière, mais il est un petit peu tout seul. Attaque qui va finir par tomber, double kill de Lucian et Moon maintenant qui est pris à partie. Et attention, par ça avance, attention, le triple kill de la part de Piglet. Piglet qui peut continuer, attention, justement, la killing spree de la part du joueur coréen des Team Liquid. Impact est au milieu de tous les joueurs, il essaie de faire ce qu'il peut. Le shutdown et il y aura un quadra kill pour le Karyané Piglet qui revient en force et là il va y avoir break pour les Team Liquid et peut-être même game et donc demi-finale. Ouais, les Liquid qui font vraiment le break là-dessus. Ils ont même voulu donner le penta à Piglet finalement. Phoenix a vu que le dernier joueur d'énergie était en train de s'échapper, il a tout simplement exécuté et du coup quadra kill pour Piglet. Derrière on va récupérer Nashor. On prend tranquillement la route des demi-finales. Ouais, les demi-finales qui semblent tendre les bras au Team Liquid, vainqueur par deux fois et sûrement par trois fois des NRG qui n'ont rien su faire. Absolument rien su faire. Ouais, Phoenix qui est déjà en position. Pas de repos pour le midlaner des Liquid. Ah bah, Altec, je pense, palme du joueur le plus transparent de la confrontation. Ouais, probablement. On pourrait faire une compo avec Double Leaf, Altec, Shook. Voilà, ce serait la team All-Star des joueurs absents. Double Leaf, j'ai trouvé transparent dans le sens où il a pris vraiment tout le focus, mais son équipe était en train de gagner et je pense qu'il n'était pas forcément en cause dans sa transparence pendant le BO. Enfin, disons que c'était plutôt ses coéquipiers qui étaient trop bons. Là, c'est vraiment... C'est un match transparent dans une équipe déjà transparente pour Altec. Bah, l'NRG, c'est ça. C'est un des bons débuts de saison. Et plus le temps passe, plus ils tombent dans la banalité en termes de niveau de jeu. Ils étaient tellement hypés au début de la saison. Ouais, et là, le rappel du rideau, Lolo, il n'en a pas grand-chose à faire. Hein, ça le chatouille, même Piglet avec le shield de Karma. Bon, là, quand même, il s'est pris le dernier shot un peu gratuitement, le Karyadé des Liquid. Mais on respecte plus grand-chose chez les coéquipiers de l'ancien champion du monde. Ouais. Bon, là, il faut y aller. Hein. On a un powerplay à 1K. D'ores et déjà, et on a 13k gold d'écart, le brouilleur. Voilà, on va détruire les trappes et l'arrivée de Dardoche directement sur Altec. Oh là, Altec qui s'est fait encore une fois sanctionné par Dardoche. La grenade ASM sur Moon le rappelle pour contrer. Phoenix qui va peut-être réussir à se défaire de Gangbam. Il c'est va très loin. Très bonne draft hein, d'avoir pris ce Varus contre ce Varus, vraiment. Là, ça donne tout à fait raison au NRG. Oh là là, et puis il se balade. Il prend ses kills gratuitement. Impact quand même qui va normalement réussir à rentrer à sa fontaine. Quoique les bons crits et le quadra kill encore une nouvelle fois. De Piglet qui tombe quand même pour l'honneur, la postérité. Il laissera son cadavre près de la fontaine et les Liquid qui vont continuer ce push de l'enfer. Exactement, mais c'est bon. Il y a Phoenix qui a tout plein d'AD. Et ça va être la game. Les Team Liquid sont en demi-finale 3-0 face à l'NRG. Eh bien écoute, aujourd'hui c'était la journée des stomps. J'avais crainte
que les games durent longtemps, qu'on ait des 3-2 dans tous les sens. Et bien avant les 12 coups de minuit, nous allons pouvoir partir. Ce qui est quand même assez impressionnant. Et voilà, hop là, Altec, il a pas fini Altec. Altec, c'est vraiment. Il est là pour servir de faire valoir dans cette promotion, dans ces matchs de play-off. Altec qui est mort à chaque tentative d'assassinat. Le Liquid, pas d'effusion de joie là-dessus. Hein. C'était vraiment mécanique cette victoire. Ils ont vraiment pas forcé. Ils ont même fait assez plaisir. Ah, Piglet, le sourire relève. C'est bon, j'ai pu prendre mon double quadra kill avec mon Lucian. Ouais, l'équipe joue bien. L'équipe Liquid, elle a vraiment monté en puissance. Et c'est pas étonnant hein, quand tu joues comme ça, détrier une équipe comme NRG qui est restée. J'ai l'impression que là, t'as une équipe de niveau LCSEU. Alors, je sais pas quel niveau, mais LCSEU qui joue contre une équipe de LCSNA de milieu de tableau. Donc, ils se font balayer. Aucune surprise. Joueurs qui individuellement sont très bons, qui jouent ensemble, bah, ça donne un très bon résultat. Il y avait vraiment un gros écart de niveau dans cette série. Du côté de chez Liquid, à la recherche du respect perdu. Et Edith, t'en as pensé quoi, toi? C'est pour ceux qui ont compris la référence. Effectivement, le pic Varus, c'est très très boldy de la part de Gang by Mom. C'est un peu le baroud d'honneur, quoi. Le moment où tu te dis je vais tout mettre et on verra si ça passe ou pas. Bah, clairement, c'est pas passé. Oh, clairement pas. Team Liquid a vraiment survolé les débats. Je tiens à mettre quand même une petite mention spéciale pour Impact qui a sorti une très grosse game sur son Echo. Ouais, bah qui a vraiment semé la zizanie dans la backlane sur les derniers teamfights. On le voit, hein, il met 4 cycles de CD, je crois, dans l'ensemble du fight. Dans l'ensemble du BO, je l'ai pas trouvé mauvais Impact. C'est vraiment le seul joueur qui est un peu surnagé chez les. Le problème, c'est, je sais pas, il y a Phoenix au niveau du mid, il a surclassé Gang by Mom, qu'on a quand même pas mal encensé. Au niveau du bot, il n'y a pas photo. Moon, on le voit, Moon est fêlé là, à l'image. Il s'est bien battu, mais il est tombé contre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que lui. Et ça laisse présager de très bonnes choses pour Team Liquid pour la suite de ses playoffs. Ouais, clairement. Non, mais il n'y a pas d'essence de jeu encore du côté des NRG. Ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, mais si tu as Impact, Grand by Mom et Altec et que tu n'arrives pas à en faire quelque chose. Ah, le truc, c'était une bonne draft entre guillemets de la part d'Énergie si on exclut la compo en face, c'est-à-dire que c'est une compo qui est compréhensible en soi, il y avait beaucoup de poke, elle aurait pu être très intéressante en mid-game. Le problème c'est que les lanes, bah, c'est beaucoup trop difficile de blind pick un Varus en connaissance de cause face à un Z. C'est surtout counter pick et quand on s'est fait dominer les deux premières manches de cette manière, on peut pas se permettre d'avoir des match-up aussi défavorables. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là au niveau de l'écart qui est entre les deux équipes, c'est pas une équipe qui est beaucoup plus forte en macro que l'autre ou une équipe qui est beaucoup plus forte dans un autre compartiment. C'est vraiment dans chaque individualité du jeu, les Team Liquid ont outplay l'équipe adverse, ce qui fait qu'il n'y a aucun counterplay possible à aucun moment dans le BO pour NRG. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de partir sur un Lee Sin full AD et qu'il explose tout le monde. Et qu'ensuite, on voit un mec comme Moon qui est complètement au fond du gouffre. Quoi. Ah ouais. Non, complètement. Je pense que dans son ensemble, tu l'as bien mentionné, Eli, il y avait un écart monstrueux entre les deux équipes, mécaniquement, tactiquement, sur les follow-up. On a eu des combos sur la première game avec des ulti Kalista qui arrivent, qui reviennent sur le joueur, partition impériale ramenée au milieu de la masse, beaucoup beaucoup de prises de risque. Les Team Liquid qui ont vraiment joué, en fait rien à voir avec ce qu'on peut voir en LCSNA. C'est vraiment une équipe qui a joué et qui a pris des risques pour gagner, pour prendre les tours rapidement, pour tower dive, et avec les tanks c'est possible. Et ils ont vraiment très bien fait la transition sur cette nouvelle méta, et je pense qu'on peut les attendre très fort. Ils jouent contre CLG en demi-finale. CLG Liquid, pour moi, ça va être un super match. Ça vraiment, de toute façon, là, les demi-finales qui s'annoncent vraiment super intéressantes pour la semaine prochaine. Entre CLG et Liquid, CLG joue très très bien, vraiment, dans le référentiel NA en cette fin de saison. Liquid, après, ont l'air pour l'instant à un niveau qu'on ne les a jamais connus, tout simplement. Ouais, exactement. C'est vraiment le. La question, c'est de savoir où vont s'arrêter les Liquid. Est-ce que c'est en finale face aux Immortals? Est-ce que c'est en demi-finale face au CLG? De toute façon, ils ont les deux équipes les plus fortes dans leur side de bracket. Donc ça va être après les TSM qui sont aussi beaucoup plus forts qu'auparavant. Honnêtement, des playoffs, messieurs, ça y est, on a terminé tous les quarts de finale. Qui réserve des surprises? Qui aurait cru que TSM se réveillerait hier en mettant 3-1 à leurs adversaires? Qui aurait cru que Fnatic trierait Vitality? Parce que c'est vraiment un autre play majeur, et Vitality n'a pas démérité. Ils n'ont pas forcément joué de manière optimale. Il y a des petits gros soucis de draft, des petits soucis de gameplay, mais Fnatic a aussi extrêmement bien joué hier. Enfin, même ils ont, c'est peut-être ça la première chose. Beaucoup de surprises, moi je trouve quand même. Là, en fait, faut comprendre qu'on arrive à ce stade des playoffs qui fait que toutes les équipes qui se sont fait qualifier par un milieu de tableau un peu favorable, etc., qui sont bonnes mais qui sont pas vraiment élitistes, sont fait écrémer.
Là, ce qui va arriver pour la semaine prochaine, et c'est pour ça que c'est important d'être là, que ce soit pour l'Europe ou pour la NA, ça reste la crème de la crème, la crème de la crème qui s'est déjà mangé une semaine de play-off de BO5, donc ouais. Qui est rodée, qui a vu où étaient ses limites, qui a vu où étaient ses points faibles et ses points forts, et qui est en train de retravailler par-dessus. C'est-à-dire que le niveau des équipes qu'on a eu ce soir sera peut-être encore plus fort sur les semaines qui arrivent, donc on compte sur vous pour être présent. Ah, c'est sûr, on compte sur vous pour être présent. On va sûrement avoir une interview, non, mon cher Crosby? Tu sais pas sur le desk ou sur le truc. Ouais, on va attendre un petit peu. Ouais, mais... écoute, on va attendre quelques minutes. En tout cas, la méta qui a bien changé, ça se voit. Ouais, il y a des petites innovations assez sympas. Ouais, le Echo, le Gravia Stop, ce genre de choses qu'on a vu à la mid lane. Après, ça reste du tank pour l'instant, en ce moment, sur la top lane. Il y a peu de carry. J'attends les Immortals, honnêtement, sortir. C'est eux qui avaient sorti notamment Yasuo contre Nautilus, en counter de Nautilus. Non, il y avait Zion Spartan qui l'avait sorti d'abord. Ouais, mais ça n'avait pas marché. Je dis ça parce que les Immortals avaient réussi à le faire marcher. Ouais, c'est alors vrai. Alors que les Zion Spartan, ça avait été catastrophique. Ouais, ça n'a pas été bon. Mais bon. Ouais, ça peut. En tout cas, on attend aussi de la créativité de la part des équipes. Il y a plein de picks encore qui sont. Ça sera sur le desk. Ok, bon, bah, on va rendre l'antenne. Fin de cette journée de LCS EU plus NA. Alors, demain, ça commence par du streaming. Je ne saurais pas vous dire. J'ai pas le planning en tête. Ellie, tu stream demain, je suppose? Non. Demain, non, je dors. Ça va être sûrement Schlaya et Nono. Bien évidemment, vous retrouverez la LCK à partir de mercredi. Vous aurez des rediffusions LPL. Et le week-end, vous aurez Yoshi Underdogs, oui. Et le week-end, vous aurez les demi-finales. Chips et Noix seront de retour. Voilà, je sais, ils vous ont beaucoup manqué. Ça a fait couler beaucoup d'encre sur le chat. Ne vous en faites pas, ils vont bien. Ils seront là dès la semaine prochaine. Merci d'avoir été aussi nombreux. On va, avant de se quitter, remercier nos partenaires. Donc, Asus, Republic of Gamer, Intel et la Fnac, sans qui, eh bien, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. C'est eux qui contribuent à beaucoup de choses chez O-Gaming. Et on les en remercie énormément. Merci à vous de nous avoir suivis aussi nombreux. League of Legends, ça continue sur O-Gaming. Tout de suite, les rediffusions. Et à très bientôt. Ciao.